Voilà. Bonjour Ricardo. Bonjour Pascal. Alors, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour parler, non pas comme j'ai l'habitude en fait de le faire avec des ex-membres de communautés et mouvements d'église à dérive sectaire, mais aujourd'hui en fait par rapport à d'autres types de dérives peut-être au sein du bouddhisme. Et comme j'ai coutume de le dire, j'aime bien avant d'aborder, je dirais, les problèmes de fond qui vont nous occuper aujourd'hui, j'aime bien évidemment que l'on sache d'où la personne parle. Et du coup, ça paraissait justement très intéressant de savoir d'où tu parlais, à savoir quelle est ton expérience par rapport au bouddhisme, ce que tu as vécu, je dirais, sur le plan familial tout à fait particulier et du coup singulier. Alors voilà, donc moi je m'appelle Ricardo Mendes, je suis né dans la Hokkien Kunzang Choling, que par la suite on va appeler Okase. Je suis né dans ce groupement qui à la base dans les années 70 était une communauté, et vite en fait dans les 10 années qui vont suivre sa création, on va commencer à se retrouver dans des problématiques de type dérive sectaire. Et donc moi, je nais à Bruxelles, dans le centre de la OKC, voilà, historique, là où la OKC est née, en Belgique. Et dès 1972, il y a ce domaine qui s'appelle Château de Soleil, qu'on appelait Nimadzong dans la communauté. Qui est cette image que vous voyez donc en fond, hein, qui est un grand domaine de plusieurs hectares avec une vieille bâtisse, un château, des potagers, boulangerie, cuisine, voilà, toutes des installations qui ont été créées à partir des années 70. Et donc moi, je vais arriver dans cet espace en 1981 avec ma mère. Et donc je vais m'acclimater à cette nouvelle situation. Ma mère va rester avec moi jusqu'à mes 5 ans. Et à partir de 1982, donc déjà à mes 2 ans, il y a déjà une sorte de mise en place en fait de la séparation des parents et des enfants qui se met en place dans la OKC. Et donc en fait, ma mère va m'abandonner sur place à mes 5 ans. Et va rentrer sur Bruxelles, dans la OKC Bruxelles, on va dire, pour y travailler. Et donc, moi, je me retrouve dans ce lieu avec, à l'époque, une bonne soixantaine d'autres enfants et quelques éducateurs qui s'occupent, en fait, des différents groupes d'enfants. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que, à partir de mes 6-7 ans, je commence à intégrer les différents groupes de garçons, de filles qui sont séparés par genre et par âge, et que je commence aussi à intégrer complètement la vie religieuse qui s'y déroule avec, voilà, en moyenne, jusqu'à 4 heures de pratique quotidienne dans le temple tous les jours, et puis en grandissant, des heures de pratique personnelle en plus, et en fait, la pratique du bouddhisme est constamment étudiée. Différentes pratiques en fait, qui font partie du bouddhisme tibétain sont ensuite utilisées comme aussi des moyens de punition envers les enfants. Et donc, en fait, on se retrouve à faire énormément de pratiques quotidiennes, de prières, de mantras, que ce soit dans les temples, que ce soit ensuite d'un point de vue personnel ou que ce soit lors de punitions. Ces punitions vont aussi partir dans des dérives plus graves d'abus physiques contre ma personne, contre mes camarades, de la part de différents éducateurs. Et il y a comme ça, en fait, toute une dérive de maltraitance et de ce que la Cour de Bruxelles et de Liège a jugé comme de la torture qui va se dérouler dans ces années-là. Et donc moi, je vais vivre dans cet endroit jusqu'à mes 13 ans. Et c'est là que je vais par la suite être déplacé dans un autre monastère de la OKC dans le sud du Portugal. Et voilà, je m'arrête là pour Oui, Ricardo, peut-être. mais justement, tu te souviens, je dirais, psychiquement, psychologiquement, de cette séparation avec ta mère, comment,
Comment ça a été vécu? Parce que c'est quand même quelque part un événement forcément traumatisant aussi dans la vie d'un enfant. Donc, comment l'as-tu vécu toi? Et comment, si tu le sais, comment ta mère, de son côté, l'a vécu et a pu accepter finalement cette séparation avec son fils? Alors ça, c'est... Donc moi, je me rappelle évidemment le jour de son départ. Elle est rentrée dans une voiture qui venait de Bruxelles. Elle devait partir, c'était comme ça, c'était les règles, il n'y avait pas de discussion possible. Elle est rentrée dans cette voiture, la voiture est partie, et moi, les flashs de mémoire que j'ai, c'est de me retrouver avec l'éducatrice principale de cette époque-là. Qui essayait de me consoler, et moi évidemment je suis complètement effondré, et ça reste, voilà, ça reste évidemment un moment très marquant dans ma vie, évidemment. Et en même temps, tous les autres enfants autour de moi sont déjà aussi passés par là. Donc c'est quelque chose que d'un point de vue inconscient, qui fait partie d'une espèce de mémoire collective de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc c'est ça, c'est la séparation des parents et des enfants qui se met en place, qui est échafaudée par Robert Spatz, le fondateur de cette communauté, et qui est mise en place comme un prérequis, en fait, pour que les enfants puissent, soi-disant, vivre dans ce lieu exceptionnel qu'est Château de Soleil, où on fait comprendre aux parents, en fait, que voilà, ils doivent, la meilleure chose qu'ils ont à faire pour le futur bien-être de leurs enfants, c'est de surtout pas trop leur passer leur propre bagage. Et donc, il y a vraiment, voilà, toute une culture, tout un endoctrinement, un conditionnement, en fait, qui prédate même ma naissance, et qui fait que ma mère, vu qu'elle a au moment de, voilà, au moment où, de ma naissance, elle a 17 ans, elle est mineure. Et donc, quelques années plus tard, quand elle va me laisser sur place, elle se conforme complètement à toutes les autres adeptes autour d'elle qui sont aussi passés par ce calvaire. Je pense qu'il y a vraiment un traumatisme profond, en fait, de tout ça, qui a cassé les structures familiales, qui a vraiment atomisé les familles. Et en même temps, je ne sais pas vraiment en parler au nom de ma mère ou d'autres adultes, puisque c'est quelque chose qui ne se parle pas. C'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, qui est reconnu ou quoi que ce soit. Ça reste des histoires, des affaires qui se parlent dans certains cas entre les enfants qui ont vécu ça aujourd'hui adultes et leurs parents. Et dans beaucoup d'autres cas, ça, on n'en parle tout simplement pas. Donc il y a vraiment effectivement un bagage, un poids psychologique sur tout ça qui est encore en devenir, qui est encore en phase de guérison dans certains cas, de reconnaissance dans d'autres, mais aussi parfois de beaucoup, je dirais, de déni, en fait, sur la réalité de cette manière, en fait, d'avoir complètement perdu le contrôle sur l'éducation de leurs enfants. Oui, c'est ça, en fait. Ça veut dire effectivement que les parents sont totalement dépossédés de l'éducation de leurs enfants, ce qui permet évidemment aussi au gourou, par hypothèse, d'avoir une emprise complète sur les enfants qui sont à sa disposition et qui sont dans un environnement clos, ce qui permet effectivement tous les abus possibles. Toi, en fait, tu as parlé, je pense, pour des jeunes filles qui se sont trouvées sous l'emprise de Spatz, tu as parlé d'abus psychiques, spirituels, mais aussi sexuels. Toi-même, en fait, tu as subi, j'ai lu des abus, notamment de la part d'un éducateur qui prépare la main, qui vous emmenait dans sa chambre pour vous battre avec des bâtons différents pendant plusieurs minutes. C'est ce que tu as raconté notamment dans la presse. Tu te souviens d'autres types d'abus ou d'autres exemples d'abus que tu as pu subir, en fait, pendant 20 ans? Je pense que tu es quand même resté finalement 20 ans dans cette à Oui, l'OKC. alors les abus, pour moi, les abus physiques ou même psychologiques contre ma personne, ils commencent, on va dire, dès ma naissance, jusqu'à mes 17 ans, hein, pour être vraiment précis, vu qu'à 17 ans, je quitte en quelque sorte les monastères, que je rentre dans des, dans des, dans des,
mais dans la dimension d'Okase, mais qui se déroule en ville, et où les modalités et les fonctionnements sont différents. Mais moi, en tout cas, je reste à Château de Soleil, donc cette image que vous voyez sur le fond, j'y reste jusqu'à mes 13 ans. Et donc, l'essentiel des abus physiques que j'ai subis se sont quand même déroulés à Château de Soleil, sur plusieurs éducateurs, en fait. Il n'y en avait pas que un. Celui que je cite dans la presse, effectivement, c'est un des pires qu'il y a eu à Château de Soleil. Mais en fait, il y avait une espèce de banalisation de la violence contre les enfants qui était en fait plutôt généralisée, quoi. C'est-à-dire que des gifles, des baffes, des tirages d'oreilles, des coups de pied, une manière de traiter les enfants, en fait, qui serait aujourd'hui vue comme des actes vraiment totalement criminalisables, en fait, tout simplement, en général. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une banalisation qui faisait que ces comportements se multipliaient, surtout à l'encontre des garçons, le côté physique. Et dans le chef des filles, c'est plus que il y a d'abord une affaire d'abus sexuel qui est en instruction en France sur des filles mineures, ça c'est une chose. On va laisser la justice faire son travail, mais il y a aussi, même quand moi je suis tout petit, en fait, à mes 5-6 ans, dans la tour que vous voyez sur cette photo, vont se dérouler des abus sexuels il y a plusieurs cas d'abus sexuels dans ces années-là, dans les années 80. Et moi, voilà, moi j'ai quelques années, et les jeunes filles sur lesquelles se déroulent ces abus ont le double de mon âge, facilement, et donc sont en préadolescence. Et sont arrivés sur place avec leurs parents, comme d'autres parents qui sont arrivés avec des enfants déjà un peu plus âgés et qui donc n'ont pas été, enfin, avaient connu en quelque sorte un nucléus familial classique, voilà, dans ce qu'on appelait le monde extérieur, et qui sont arrivés à Château de Soleil en s'imaginant des tas de choses et en fait en se mettant en vivant sur place au début avec leurs enfants. Petit à petit, va se mettre en place cette séparation des parents et des enfants, qui effectivement va donner à Robert Spatz toute la latitude en fait pour embrigader ces jeunes personnes dans des situations d'abus où leurs parents sont complètement en déni sur la nature de ces abus ou même sur leur réalité. C'est-à-dire que les gens, pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que l'affaire éclate d'un point de vue public dans les années 2000, toutes les histoires d'abus étaient vues comme des femmes qui étaient, ou des jeunes filles qui étaient délirantes, qui étaient folles, qui étaient déséquilibrées psychologiquement. Tout se retournait en fait contre la victime directement. Et les adeptes étaient dans une dissonance cognitive tellement profonde que l'existence même, que ça puisse exister, que ça puisse être quelque chose qui est en train d'arriver sur place, était dans voilà, un déni total, en fait. Et ce qui, en fait, ce qui isolait encore plus la victime dans son silence, puisque même dans les années 80, les abus sexuels qui se passent dans les années 80, eh ben, pour un des cas, par exemple, leur mère est sur place. Dans deux cas même, leur mère est sur place, et pourtant, il n'y a aucun moyen de pouvoir aller vers la mère et lui dire, il y a ça qui est en train de m'arriver, en fait. Ricardo, tu parles d'un isolement. Dans ton cas, cet isolement, il a été long, il a été profond. C'est une forme quand même d'emprise. Du coup, j'ai envie de te poser la question suivante, à savoir comment finalement tu prends conscience que ce que tu vis n'est pas normal, et du coup, comment sors-tu de cette emprise et comment du coup quittes-tu effectivement le cassé? Quel a été le déclic finalement? En fait, c'est un très très long parcours parce que voilà, je vais être envoyé dans le sud du Portugal à mes 13 ans. Je vais y vivre dans un autre, on va dire, monastère Okase, qui va dans lequel il va aussi se dérouler d'autres cas d'abus sexuels. Là, on est au Portugal, dans le sud du Portugal. Il faut chaque fois se rendre compte que de Château de Soleil à Bruxelles, il y a 2000 km, les parents sont très très loin, quoi. Donc, ce qui est en train de se passer à Château de Soleil, ce qui se passe ici, en fait, l'information ne sort pas d'ici. Hein, donc, elle voyage très très difficilement vers Bruxelles.
Ce qui explique aussi la projection en fait que les adeptes avaient sur ce qui se passait dans cet endroit comparé à la réalité. Ensuite, quand on est déplacé au Portugal, là, on va se retrouver en fait dans une situation, je dirais, similaire, vu que là, on est encore plus loin de nos parents, je sais pas, 4 000 km de Bruxelles, qu'on est complètement isolé. On est dans, si à Château-de-Soleil, on est isolé du monde extérieur, on n'a pas accès à la radio, à la télévision, aux journaux, à la presse, on ne va pas dans une école publique, on a une école sur place, ça fonctionne un petit peu, on pourrait comparer ça à un internat. Ici, au Portugal, c'est la même chose. On est à 30 km d'une ville. Il y a, comme vous le voyez ici, des petits hameaux, des petits villages aux alentours. Il n'y a même pas de frontière, c'est-à-dire que sur cette route que vous voyez ici, il n'y a pas vraiment une frontière avec une grille. Mais par contre, aucun d'entre nous ne sortait. La limite du monastère était ici, sur cette route. Comme vous pouvez le voir, il y a zéro barrière, hein, il y avait une corde qui traversait cette route. Et ici, il y avait une espèce de snack qui s'est construit. Bon, ces images sont plutôt récentes, hein, moi quand j'y arrive, c'est pas encore développé. Mais en fait, on est enfermé tout en ayant une vue à 30, allez, à 30-40 km de là, il y a la mer, quoi. Vous voyez, on est là et on voit la côte, on voit le monde briller, les villes, etc. Mais en fait, on est complètement aussi enfermé. Et cet enfermement, il est compliqué à décrire puisqu'on est nous-mêmes dressés à l'idée que ça va être la fin du monde, que le monde extérieur, il est que souffrance, il est nuisible, il est source de problèmes, etc. Et donc, on est des ignorants, en fait. On est des personnes qui sont complètement endoctrinées dans une certaine perception du monde qui nous entoure. Et en même temps, on n'a pas de repères pour comparer, pour développer un esprit critique. Et donc, dans ces conditions-là, on croit beaucoup de choses complètement fausses. Notamment, voilà, on est persuadé que ça va être la fin du monde. Et Robert Spatz nous conditionne à penser qu'il va falloir défendre notre lopin de terre, que notre eau, on va venir nous la voler. Qu'on doit faire des arts martiaux parce faudra apprendre à se défendre. Et donc, en fait, on est comme ça, une espèce de dérive un peu presque militarisée de notre vécu. Il faut se rendre compte qu'on faisait du karaté à partir de nos 7 ans. Moi, j'ai fait voilà, du karaté de mes 7 ans à mes 17 ans. Voilà, on avait vraiment de l'expérience. On était des jeunes extrêmement endurcis à toutes sortes d'entraînements physiques, que ce soit sportifs ou d'arts martiaux, et qu'on connaissait plus les textes bouddhistes tibétains que notre propre histoire, dans lesquelles, d'où on venait, que ce soit moi, mes ancêtres, pas moi, le Portugal, ou même ma famille. Voilà, je connaissais beaucoup plus sur le Tibet, sur les grands maîtres tibétains du bouddhisme tibétain que ce que je connaissais, quoi que ce soit, à propos de ma propre famille. Ouais. Tous les rapports sont complètement renversés. Et donc, moi, je commence à sortir de ça très doucement, en atterrissant notamment à partir de mes 16 ans, dans une petite ville du sud du Portugal. Et c'est comme ça que je vais commencer à m'approprier, on va dire, un tout petit peu. Donc là, on est à 30 km du monastère que je viens de montrer. Et moi, je vais arriver dans cette toute petite ville qui a sa petite école, sa piscine municipale, sa salle de concert, son cinéma. Et donc, en fait, je suis vraiment un martien. Quand je débarque, je suis vraiment, vraiment un martien, quoi. Je connais pas les codes, je sais pas, je suis même pas conscient, en fait, de ce que j'ai vécu. Je ne pense même pas aux abus que j'ai subis comme des abus. Je pense encore que c'est mon karma, que j'ai probablement fait quelque chose de mal dans une vie précédente pour avoir mérité tout ça. Donc, voilà, je n'ai aucun recul, en fait, sur mon vécu. Et donc, c'est un très long processus. Mais c'est aussi là que je fais mes premières amitiés, que je fais des amitiés avec, voilà, avec des gens du vaste monde, que je sors, que je bois, que je fume, que je désobéis, en fait, que je vais à l'encontre de toutes les règles
m'ont été mises dans la tête toute mon enfance et toute mon adolescence. Et j'apprends ce que c'est la liberté, en quelque sorte, en repoussant chaque fois un petit peu plus les limites de ce que je veux bien m'autoriser à faire, voilà, dans le cadre de ce que je suis à même de, voilà, à même de faire, quoi, dans la situation. Et puis, il y a aussi quelque chose de très fort qui change, en fait, c'est qu'à partir de 1997, il va y avoir des perquisitions de police sur l'ensemble, en fait, de la OKC. Donc, au Portugal, en Belgique, en France, on se retrouve, donc ça c'est l'image que vous voyez ici, cette image c'est l'arrivée de je ne sais pas combien de centaines de gendarmes sur le domaine de Château de Soleil, un hélicoptère, les enfants sont séparés des adeptes sur place, ils sont interrogés, ils sont tous mineurs mais ils sont interrogés. Il va vraiment y avoir des faits traumatisants en fait dans cette irruption en fait de du monde dans notre petite bulle bien sectaire en fait. Ça va être un événement traumatisant traumatique pour beaucoup de personnes, autant des adultes que des enfants. Et en même temps, c'est un moment de libération en fait. C'est un moment où on est incapable de le voir sur le moment. Et moi, j'ai 17 ans, on m'envoie chez ma grand-mère. Tout d'un coup, alors que je n'ai jamais vécu avec ma grand-mère, que je voyais, il faut se dire qu'on voyait nos parents, en général, en tout cas de ma génération, on voyait nos parents une à deux fois par an. Et donc, ou bien c'était nos parents qui venaient sur place lors des séminaires d'été, ou bien c'était nous qui allions à Bruxelles dans des espèces de camionnettes qui étaient conduites par les adeptes de la communauté et nous amenaient presque de porte à porte, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on était, soi-disant, dans le monde extérieur. On allait d'un centre cassé à un autre. Ouais. Et par rapport justement au contact, Ricardo, avec ta mère en particulier, s'il y avait des contacts téléphoniques, par exemple, ça c'était possible ou c'était interdit? Ben, c'était en tout cas, déjà, les appels téléphoniques de mon temps, ils étaient, c'était les anciens téléphones, vous voyez, donc il y avait moyen que, en fait, la responsable du château écoutait la conversation qu'il y avait entre l'enfant et les parents. Donc en fait, la sensation que, déjà moi je recevais quasi jamais de coups de fil, vraiment quasiment jamais. Ça m'est arrivé parfois de recevoir des courriers, mais ça aussi c'était très rare. Et donc en fait, il y avait clairement une certitude de la part des parents en fait que l'appel était sous écoute et que en fait on pouvait pas réellement discuter avec son enfant d'une manière totalement libre. Aucun enfant ne se comportait comme si cet appel était... S'il arrivait, personne ne se comportait comme si cet appel se passait dans le cadre de la vie privée, des relations entre un enfant et ses parents. Donc, il n'y avait pas de réelle liberté à pouvoir se confier s'il y avait besoin de se confier. Oui. Et donc, tout ça a participé au fait que les parents, en fait... jusqu'aux années 2000, les parents ils savent pas grand chose en fait de ce que leurs enfants ont véritablement vécu sur place, tellement cette isolation était forte et tellement on était aussi nous-mêmes, nos parents ils étaient souvent humiliés devant nous en fait par Robert Spatz. Et ils nous faisaient comprendre que nos parents c'était des bons à rien quoi, que à la limite c'était nous qui étions en quelque sorte une élite parce qu'on avait eu la chance de pouvoir vivre et d'être né dans le dharma, d'être né dans le bouddhisme. Et d'avoir la chance de vivre un château de soleil. Mmh. Et nos parents, ils étaient des espèces d'ersatz que Robert Spatz humiliait dans des grands monologues face à toute la communauté avec 200, 300 personnes. Et toutes ces personnes se faisaient humilier collectivement. Est-ce qu'un enfant, par la suite, alors qu'on lui dit que ses parents sont des bons à rien, est-ce qu'il va aller vers eux et les prendre pour des personnes de confiance alors que je pense qu'au fond de nous-mêmes, on devait se dire que ben, on avait été mis dans cette situation. C'est très compliqué à parler, cette partie. Oui, ça paraît normal puisque c'est le seul milieu que tu as connu, puisque toi, en plus tu y es né.
et que ta mère, en fait, y a également vécu très tôt. Donc, il y a eu quelque part une transmission assez naturelle des abus subis par la mère dans un premier temps, puis que tu as subi dans un second temps. Mais malgré cet isolement, en fait, il n'y a pas eu à un moment donné des manifestations, quelque part, de rébellion, parce que j'imagine que psychologiquement, ça doit se manifester. Je veux dire, au niveau psychique, au niveau corporel, il y a peut-être des dépressions, des tentatives de suicide. Enfin, je veux dire, ça ne se vit pas comme ça, gaiement, Alors, en fait. il y a une jeune fille, je ne vais pas parler de son nom, mais il y a une jeune fille qui dès le début des années 80, quand elle est un peu plus âgée que moi, et elle se révolte contre les mauvais traitements qu'elle subit. Et cette fille, en fait, elle va être un peu utilisée comme un exemple pour mater la rébellion, pour bien faire comprendre aux autres enfants qu'ils doivent bien se tenir, quoi. Cette fille, elle va être attachée à un poteau, elle va être isolée dans une chambre, elle va être mise dans une chambre un peu à l'écart, complètement à l'écart d'ailleurs de l'ensemble des enfants. Elle va être traitée de folle, elle va être stigmatisée en fait par l'ensemble de la communauté parce qu'elle ne se comporte pas en acceptant l'imposition qui est mise sur place en fait. Et ça, je pense que ça va laisser aussi une mémoire collective puisqu'en fait toutes les générations qui vont se succéder à Château de Soleil, vont tous connaître d'une façon ou d'une autre, entre guillemets, Davy la folle. Et donc, il y a vraiment eu une passation de la mémoire de cette personne qui a été profondément abusée physiquement et psychologiquement pour servir d'exemple et que tout le monde se la ferme, en fait. Et ça, en fait, c'est pour moi, c'est déjà la première brique, en fait, qui va fonder en fait dans le roc de Château de Soleil que en fait tu te la fermes et ça c'est une chose. Le deuxième c'est que s'il y a eu des instants de rébellion, moi je me rappelle par exemple j'avais 12 ans et on s'était dit un jour que en fait on s'était organisé, on avait fait une espèce de réunion, on s'était dit on va faire du mal à notre responsable comme ça on va le tabasser, quoi. Comme ça, les abus vont s'arrêter, en fait. Et on était dans une sorte de conspiration pour se dire qu'on allait le buter, quoi. Qu'on allait le buter. Et on était en train d'imaginer des bâtons, des chaînes, tout ce qu'on pouvait trouver pour qu'on allait lui faire du mal. Et on a extériorisé ça, en fait, par une imagination, mais incroyable pour soi-disant lui faire du mal. Et en fin de compte, on était tellement terrorisés, on pissait littéralement dans notre froc, quoi, que ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a mis des chardons dans ses chaussures et on a mis du dentifrice dans sa chaussure, quoi. Je veux dire, il y avait un décalage gigantesque entre l'imagination de ce qu'on avait envie de lui faire et l'acte concret qu'on a fait. Et puis même, envers cette personne par la suite, c'était quelqu'un que, même moi, je me rappelle, encore quand j'avais 20 ans, si je devais le croiser, je suis venu à mes 20 ans, je suis venu une dernière fois à Château de Soleil, je l'ai croisé et je lui ai encore serré la main. Alors que cette personne a été vraiment tortionnaire, quoi. Il y avait en fait aussi le bouddhisme, en fait, qui... C'est-à-dire, moi, je me rappelle que quand j'avais mes 20 ans, je me disais, en fait, s'il m'a fait tout ça, c'est que lui, il souffre encore plus et il est encore plus... tu vois, il a accumulé encore plus de mauvais karma. Et donc, moi, je dois avoir de la compassion pour lui. Moi, je vivais vraiment ça comme ça. Je me disais que c'était vraiment pas bien d'avoir des mauvaises pensées envers la personne qui m'avait abusé. Et donc, en quelque sorte, c'est sadique en fait, parce que c'est comme si au lieu de se dire que le bouddhisme, enfin, de se dire tiens, quelqu'un a fait une énorme injustice envers plusieurs enfants. Et donc, ça serait légitime d'être en colère et de se révolter contre ce mal. Et en fait, le bouddhisme était utilisé pour mater la rébellion par des pensées qui soi-disant allait t'aider ou allait en fait allait t'aider à digérer une énorme injustice. Et c'était donc c'est comme si voilà, c'est comme si en quelque sorte tu étais programmé pour ne pas te lever contre les injustices et les accepter et les digérer. Et si jamais tu pensais que ben, tu avais des pensées de révolte et de colère, ben, le problème, ce n'était pas l'injustice. Le problème, c'était d'avoir des pensées de colère face à l'injustice. Et donc, il fallait pratiquer plus. Parce que si tu avais des pensées de colère, c'était que tu n'étais peut-être pas en train de pratiquer comme il fallait. Et tout, en fait, dans l'AOKC, était utilisé avec ces mécanismes-là, en fait, qui auto-noyaient par les acteurs même de ceux qui subissaient ces abus,
toute volonté de révolte. C'est une façon Alors, de culpabiliser l'adepte, quoi. il y a une toute petite évolution vers 92, 91-92, où en fait, on a raconté à des plus âgés que nous qu'on se faisait abuser physiquement avec différents types de bâtons, etc. Et il y a eu une espèce d'organisation entre les plus âgés de se dire quand on voit un tel responsable prendre un enfant en aparté dans sa chambre, on va venir intervenir. Et alors notre intervention, c'était on prenait du papier toilette qu'on mettait dans de l'eau et on allait jeter ça sur sa porte ou sur sa fenêtre. Et du coup, c'était un acte de désobéissance. C'était comment dire, tu ressentais le fait de participer à cette opération était vécu comme une joie, une prise en main de se battre contre quelque chose qui avait l'air d'être insurmontable et grand comme une montagne pour des enfants, des petits adolescents que nous étions, quoi. Et une autre question peut-être, Yado, avant de passer à la suite, mais de ce passé traumatique commun, en fait, de ta maman et toi, ce que vous avez vécu au sein de l'OKC, vous avez pu en parler, vous avez pu revenir là-dessus et le digérer, le comprendre, parce que quelque part, évidemment, libérer sa parole à soi, c'est bien, mais avoir l'occasion éventuellement de la libérer avec son parent, qui quelque part est un petit peu à l'origine de ton propre trauma, c'est aussi évidemment quelque chose de libérateur éventuellement. Ben, c'est pas un sujet. Vous voyez, si vous apprenez en tant qu'adulte, en tant que parent, que quelque chose de terrible a été fait contre votre enfant, en principe, dans un cas d'une relation saine, vous prenez les choses en main. Vous essayez d'en savoir plus, vous essayez d'en savoir la totalité. Vous essayez d'aller au fond du fond du fond du problème pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Or, moi, dans mon cas, et je pense que c'est aussi un peu le cas de beaucoup d'entre nous, moi, je suis ici dans la photo, je suis le petit là avec ses crolles. Et dans toute cette génération, en fait, vous avez des liens avec votre famille qui sont tellement pétés que la personne n'est plus un référent. Donc, je sais que ça peut être compliqué d'imaginer pour les personnes qui vont nous regarder, de se dire comment ça a été possible et comment ce référent peut se perdre. Mais en fait, il faut s'imaginer un peu, il faut nous imaginer, enfin moi, ou peut-être que moi, mais je pense aussi d'autres de ma génération, il y a une forme d'orphelinat en fait, une forme d'abandon total. Et donc, dans cet abandon, c'est comme s'il y avait une mort, en fait, du parent, de l'adulte qui est censé prendre en charge et veiller à la sécurité de l'enfant. Et donc, les enfants, comme tous les enfants qui vivent des choses atroces dans le monde, les enfants s'adaptent. Les enfants s'adaptent parfois trop bien, même, à des choses atroces. Et donc, moi, je commence peut-être à avoir une relation avec ma mère quand j'ai 23 ans. Avant ça, ma mère, ce n'est pas quelqu'un chez qui je pensais, tiens, je vais lui dire ce qui s'est passé, quoi. Et je n'en ressentais même pas le besoin. C'est ça qui est aussi étrange. C'est-à-dire que moi, de mes 17 ans à mes 23 ans, intérieurement, je savais que j'avais subi des abus. Mais déjà, j'arrivais à peine à dire le mot « abus ». Je racontais une version de ma vie qui était fausse à mes amis. C'est comme ça que je me suis fait plein d'amis au Portugal, à qui j'ai raconté une version complètement édulcorée de mon enfance. Je disais que j'avais vécu dans une communauté bouddhiste. Waouh, c'était génial. Les gens, ils trouvaient ça, waouh, c'est incroyable, quoi. Et en fait, ce côté incroyable me donnait une... C'est comme si ça me donnait un récit, en fait. Ça me donnait une manière d'exister. Et je ne devais pas spécialement creuser, aller plus loin et tout déballer. Et je pense que les choses auraient pu en rester là, pour ma part, en fait. Moi, j'aurais grandi avec ça. Je serais devenu un adulte avec mes blessures. J'aurais probablement dû faire tout le travail psychologique que j'ai fait pour regarder les choses en face. Mais c'est vraiment les affaires d'abus sexuels qui vont changer toute ma lecture
sur mon enfance, sur notre enfance collective, et qui vont m'amener à aller en justice contre l'organisation et son fondateur, quoi. Oui. Parce que ça, c'est une dimension, en fait, qui ne peut pas se comparer, en fait. Et moi, j'en sais une bribe. J'estime pas du tout parler au nom de mes amis qui ont subi ces abus, mais je sais, pour les côtoyer depuis 7 ans dans nos procédures juridiques et pour avoir entendu leurs témoignages en justice, etc., je sais que ces séquelles, c'est des cicatrices à vie. Ce n'est pas des cicatrices comme les blessures que moi j'ai eues dans le dos ou dans le cou ou les souvenirs que j'ai de moments de torture physique envers ma personne qui, et oui, laissent des traces. Mais dans mon présent, si je suis dans une relation avec une compagne, je ne suis pas en train de revivre mes abus. Quelqu'un qui a vécu des abus sexuels, il va potentiellement se retrouver dans différentes situations qui vont être comme des déclencheurs, en fait, de la mémoire de l'abus, qui sont totalement incontrôlables, où le cerveau vient, refait surface, et l'abus refait surface, alors qu'en fait, vous n'êtes plus du tout dans une situation d'abus. Vous êtes potentiellement avec quelqu'un Bien sûr. qui est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Et donc, vous allez concrètement porter une cicatrice qui est genre purulente, béante, semi-cicatrisée. Chaque cas est différent. Mais la réalité de la cicatrice de l'abus sexuel est d'une dimension de la souffrance humaine qui est incomparable, en fait. On parlera de tes engagements personnels, effectivement, Ricardo, mais même si tu n'as pas subi d'abus sexuels, je pense que l'isolement sur une durée conséquente peut évidemment aussi avoir un effet délétère sur l'état mental de la personne. Or, toi, j'ai le sentiment que tu as réussi finalement à avoir une vie équilibrée et au point où finalement tu prends quand même la parole aussi, où tu t'exposes. Donc c'est quand même, il y a quand même y avoir, j'imagine aussi un travail sur toi, une prise de conscience et oui, il y a un travail sur toi pour sortir de cet Énorme, isolement. énorme, énorme. Et ça me prend des années. Moi, je ne suis pas du tout. Si vous demandez à n'importe qui me connaît, moi, je suis pas. J'ai pas spécialement le contact social hyper facile. Je n'ai pas la nature de facilement aller vers l'autre et de me présenter. Je n'ai pas ça. J'ai dû le faire. Et j'arrive à le faire dans le cadre de cette prise de parole, dans ce rôle que j'ai pris sur mes épaules d'exposer tout ça, parce que je suis dans une dynamique bien précise et que pour moi, exposer tout ça va bien au-delà de mes limitations à moi, en fait. Après, si je regarde d'une manière un peu plus objective, moi-même et l'impact que ça a eu sur cet isolement a eu sur mes capacités en termes de relations sociales, etc., c'est évident que ça laisse des traces, c'est totalement évident. Parfois, je dois me forcer presque je sais pas, à maintenir des contacts avec des personnes, ou j'ai des difficultés d'un point de vue social qui sont pas faciles à expliquer et qui peuvent paraître invisibles. Enfin, ou je dirais même qu'ils sont invisibles, parce que, en fait, le fait d'aller dans les médias, le fait de faire une vidéo comme celle-ci, alors on te juge d'un point de vue extérieur comme si, ah non, mais il a l'air articulé. Il a l'air plutôt vachement bien. Il y a même un jour un avocat sur un plateau TV qui m'a dit, en tout cas, votre manière de vous exprimer, ça va vous desservir en justice. Vous n'avez pas l'air d'être une victime. Ah oui. Et donc, tu es là, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je rampe pour être à Être la libre. hauteur du cliché que les personnes, que le regard extérieur a de la victime. Moi, je pense que voilà, on est beaucoup plus que notre passé. Et que c'est évident que voilà, moi j'ai endossé, enfin j'ai mis sur mes épaules une espèce de cape d'invincibilité pour aller au bout de ce travail, en fait, pour exposer, pour faire en sorte que tout ça sorte et que chacun, après, à sa façon, va devoir recoudre le tissu avec les siens, avec ses proches, avec sa famille d'origine. C'est une souffrance multigénérationnelle, vraiment. Je te remercie en tout cas, Ricardo, d'avoir déjà dressé effectivement le portrait de ce que tu as vécu au sein de l'OKC pour qu'on puisse effectivement comprendre, je le disais en débutant, justement d'où tu parles. Mais alors, on parle ici en fait du bouddhisme et
On a évidemment souvent en Occident une vision un peu fleur bleue du bouddhisme, la compassion, la bonté, la méditation, l'atteinte du nirvana, enfin la paix intérieure. Est-ce que tu pourrais en fait du coup nous rappeler peut-être les racines du bouddhisme, ce que le bouddhisme enseigne, et du coup peut-être voir si en réalité, parce que c'est en débat en Belgique en tout cas, est-ce que le bouddhisme c'est en fait une religion comme une autre, avec ses dogmes, ses aspects sacrificiels, rituels, enfer, paradis, ou bien en fait, c'est davantage une philosophie? Alors, je pense qu'il faut faire une distinction entre le bouddhisme du Bouddha, qui se développe en Inde et qui ensuite part en je ne sais pas combien de branches à travers le monde, et une de ces branches qui est la version du bouddhisme et qui part au Tibet, lui-même un pays complètement isolé de la société, où vont se mêler différents courants bön, chamaniques et autres à la version qui va devenir le bouddhisme tibétain, qui se vit jusqu'à l'invasion chinoise dans les années 60, et qui va provoquer en fait l'exil, on va dire, en partie du peuple tibétain, et aussi du coup le contact, on va dire, avec les Occidentaux des années 60. Le contexte de l'époque aussi, d'une recherche spirituelle, on est après la guerre du Vietnam, il y a tout un contexte en fait de l'époque qui va vouloir, enfin il y a une rupture en fait, je pense qu'il y a une rupture sociétale, il y a une recherche de sens, et le bouddhisme tibétain qui va rentrer en contact avec les Occidentaux, c'est déjà un produit très, comment dire, il est poli en surface pour être acceptable, pour être vendable, pour être assimilable à la société occidentale. Et la société occidentale va aussi absorber les parties je pense, qui lui intéressent le plus, sans spécialement aller dans le fond du fond des textes et de se rendre compte véritablement l'inextricable, en fait, comment dire, l'inextricable réalité du bouddhisme tibétain avec sa propre culture, avec ses propres mœurs, avec sa propre société féodale, théocratique. Tout ça a un énorme impact, en fait, sur la nature même du bouddhisme tibétain, son patriarcat, je dirais presque une misogynie. Il y a vraiment une place de l'homme au sein du bouddhisme tibétain qui est prépondérante. Il y a toute une série en fait de fondations et de structures dans le bouddhisme tibétain qui, dans les conditions de personnes qui se livrent à un maître spirituel, à un gourou racine, sans garder la moindre recherche de discernement et de positionnement axé sur des fondations stables qui n'abandonnent pas en fait leur propre discernement à une tierce personne, le bouddhisme tibétain peut vraiment être un outil extrêmement dangereux. Et je pense que Laogen Kunzang Sholing et Robert Spass, que vous voyez ici sur la photo, entourés de maîtres tibétains qui sont de l'exil, surtout les deux visages au centre de la photo sont vraiment deux entités du bouddhisme tibétain qui sortent de l'exil, qui s'enfuient du Tibet lors de l'invasion chinoise. La personne que vous voyez sur la gauche est le fils de Kagyu Rinpoche. La personne au centre, juste à côté du visage de Robert Spatz, à droite, c'est Khyentse Rinpoche. Ces deux familles, en fait, qui sont cruciales, en fait, dans le développement du bouddhisme en Occident, en tout cas, le bouddhisme tibétain de la lignée de Nyingma, est une des cinq écoles qu'on peut retrouver dans le bouddhisme tibétain. Alors moi, je ne vais pas me prendre pour un expert de la théologie bouddhiste tibétaine, de toute sa thèse, de tous ses fonctionnements. Moi, je l'ai vécu comme un enfant qui a appris tous les canons qu'on peut retrouver dans le bouddhisme tibétain, toutes les prières, toutes les pratiques qu'on peut retrouver dans le bouddhisme tibétain tout à fait classique, qu'on peut retrouver dans des centres bouddhistes tibétains en France, en Belgique et ailleurs dans le monde. Et à côté de ça, c'est la création du mythe de la Ma Kunzang,
il va permettre en fait en partie les parents en fait sont les adeptes de la OKC sont on va dire sont extrêmement impressionnés par le côté mythique en fait du bouddhisme tibétain et par ces grands lamas qu'on présente comme des êtres éveillés et comme des bouddhas vivants en fait. Et tout ça, en fait, va participer au fait que comme eux, les deux personnages au centre de la photo, comme ils vont côtoyer Robert Spatz et que Robert Spatz va hériter de leur légitimité, Robert Spatz va bénéficier d'une légitimité qu'il n'a pas alors qu'il est un imposteur et il va petit à petit, en fait, présenter plusieurs visages. Il y a le visage de la OKC par rapport aux Tibétains, ce que les Tibétains eux-mêmes perçoivent de ce qu'est la OKC. Et ensuite, il y a la OKC à l'intérieur de la OKC de Robert Spatz envers ses adeptes. Et donc, toutes ces manipulations simultanées à différents niveaux vont faire en sorte que tout ça va coexister, qu'en même temps que des centres bouddhistes en France se déploient et où jusqu'ici on n'a pas d'histoire d'abus, il y a aussi d'autres centres que la OKC, bouddhisme tibétain toujours, école Nyingma pas trop souvent ou Kagyupa, qui sont voilà, entachés par des affaires d'abus sexuels, des scandales d'abus sexuels, et ce depuis les années 70. Donc en fait, on ne peut pas parler de un monolithe qui représenterait tout le monde, mais il y a clairement des grosses taches, puisque si on prend l'affaire Shambhala aux États-Unis, qui est presque une multinationale du bouddhisme tibétain en Occident, qui a réussi à rentrer dans les universités, qui aujourd'hui, voilà, il y a des milliers de bouquins qui ont été écrits à propos de tout ça. Et Shogyam Trungpa est vu comme une référence du bouddhisme tibétain par les Tibétains eux-mêmes et par encore énormément de bouddhistes tibétains dans le monde, alors que ce type était complètement fêlé et qu'il a amené des logiques de ce qu'on appelle la folle sagesse, et, voilà, autre des logiques qu'on retrouve dans le Vajrayana. Qui est une partie du bouddhisme tibétain fortement enseignée chez les Nyingmapa. Et c'est ça, en fait, qui va articuler des dérives qu'elles se passent chez Shambhala aux États-Unis, chez Rigpa en France, qui est quand même un petit peu le plus gros centre français, enfin, le centre bouddhiste tibétain en France, un réseau de centres internationaux aussi. Et Robert Spatz, en fait, Lama Kyunzang, va tout à fait se loger dans cette école de la folle sagesse où. Tout est illusion, tout est une vue de l'esprit, et donc si tu souffres, c'est que tu as mal compris les enseignements et que tu dois pratiquer plus. Et ce que ton lama te fait ou décide pour toi, c'est pour ton bien, d'un point de vue absolu et relatif, et c'est à toi de le digérer, de l'accepter et de vivre avec, indépendamment de sa réalité objective. Et donc, on est face à une recette en fait où les abus peuvent partir dans énormément de directions. Et je pense que voilà, c'est tout ça en fait qui fait que ça couve dans le bouddhisme tibétain des affaires d'abus depuis les années 70. Et que on a beau après parler des fondements du bouddhisme, de ne pas tuer, ne pas, voilà. Un peu les 10 commandements, on retrouve un peu des équivalents des 10 commandements, on retrouve des pratiques qui pourraient ressembler à des pratiques de purification, à des pratiques de visualisation. On retrouve voilà, toutes ces pratiques dans le bouddhisme tibétain. C'est déjà un dérivé, si après on va étudier vraiment le bouddhisme d'Inde, le bouddhisme Theravada, le bouddhisme Mahayana, on va se retrouver en fait quand même à des différences assez flagrantes. En fait. Ou dans le bouddhisme d'Inde, le bouddhisme, si on prend le bouddhisme Theravada, le bouddhisme Mahayana, on va se retrouver où le Bouddha et ses enseignements sont au cœur de ce qu'est, de ce qui définit le bouddhisme. Tandis que dans le bouddhisme tibétain, la relation de maître à disciple, la notion de guru racine, c'est ça qui est au centre de la relation spirituelle que l'adepte il a par rapport à un maître. Et donc en fait, on est dans une imposture, en fait, où soi-disant le maître racine, il est là pour ton bien, et c'est à toi de le choisir avec discernement. Mais comment répéter cette phrase encore aujourd'hui? On l'entend partout, Mathieu Ricard sur les plateaux de TV. Quand on parle d'abus, tout de suite, on vient dire, Ah, mais il faut que les adeptes, faut que les élèves apprennent à discerner ce qui est un vrai maître. Mais entre-temps, le bouddhisme tibétain lui-même, on va dire, a endorsé des personnes qui n'étaient pas du tout des vrais maîtres,
Et donc, si soi-disant des grands maîtres, en fait, n'ont pas le discernement de travailler avec les bonnes personnes, mais comment les disciples, les adeptes pourraient, eux, dans leur ignorance, entre guillemets, détecter qui sont les vrais maîtres, qui sont les faux maîtres et qui sont les imposteurs, etc. Donc, en fait, on est dans une, on est dans une, au moins, on est dans une, vue de l'esprit, en fait, que c'est de la responsabilité des élèves d'avoir ça Oui, sur c'est le ça. niveau. D'un côté, on demande leur soumission, et de l'autre côté, on leur demande d'être critique. Donc, c'est. Voilà, c'est un non-sens en fait, mais on Ouais. présente ça comme un argument réaliste, enfin objectif, et un des fondements du bouddhisme, évidemment, puisque le Bouddha lui-même dit ne prenez pas mes paroles telles quelles, vérifiez-les, le Bouddha encourage vraiment au discernement. Ça, c'est hyper évident et c'est vraiment, voilà, c'est un des fondements du bouddhisme, du Bouddha. Mais ce qu'en ont fait les cultures et les hommes, pour moi, c'est évident, mais évident que le bouddhisme tibétain, sous sa forme comme il a été en tout cas enseigné depuis les années 70, n'est pas une philosophie, est une religion avec son équivalent d'un paradis, son équivalent de. Il y a le nirvana, il y a le samsara, il y a l'équivalent des péchés, il y a les actes nuisibles, il y a les cinq poisons, il y a. Et on retrouve en fait tout un attirail en fait de dogmes qui en fait sont des outils de contrôle et qui permettent de canaliser en fait l'adepte dans une certaine direction, dans une certaine dynamique. Et avec la recette, on va dire, du gourou racine, pardon, eh ben on rentre. On peut très vite rentrer dans des abus, comme c'est le cas quand même de beaucoup des plus grands centres bouddhistes tibétains au monde. Et après, si on va un peu plus loin et qu'on regarde le fonctionnement des monastères au Népal, au Tibet, la séparation d'enfants avec leur famille dans le plus bas âge pour se retrouver dans des systèmes d'éducation monastique, alors que ben, il n'y a rien qui empêchait les bouddhistes tibétains en exil de créer des écoles et de former une génération de Tibétains éclairés qui allaient peut-être décider de devenir moines et de rentrer dans les ordres si c'est ça qui était leur envie, leur besoin, mais d'arrêter de perpétuer ce système monastique qui n'a absolument aucune raison d'être et qui d'ailleurs, même le Dalai Lama, quand le Dalai Lama s'exprime sur Okasa en 1998, il estime que le fait d'éduquer des enfants dans un cadre monastique, surtout en Occident, n'a absolument aucun sens. C'est le Dalai Lama lui-même qui le dit en 1998 dans un journal portugais. Et donc on est clairement face à une dérive, mais on est aussi face à un système en fait qui n'a pas de garde-fou, qui n'a pas de véritable autorité spirituelle, avec une autorité, avec une chaîne hiérarchique en fait qui permet d'établir des responsabilités. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus anarchique. Et en fait, si le bouddhisme tibétain est organisé en Occident, c'est pour avoir une représentation de ces centres par rapport aux autorités. C'est le cas de l'UBF, de l'UBB, voilà, des différentes unions bouddhistes en Europe. Très souvent pour avoir une interface par rapport au système qui peut représenter les différents centres. Mais ensuite, quand il y a un problème, quand il s'agit de définir qui est un maître légitime, ben en fait, c'est comme si on devait faire, parce que j'aime pas l'exemple, mais si on devait faire une comparaison avec l'Église catholique, c'est comme si n'importe qui pouvait devenir prêtre. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, tu as des courants religieux dits qui se prétendent de l'Église catholique et qui en fait sont dans des espèces de dérives charismatiques ou autres, dans lesquelles vont se dérouler des abus. Et comment est-ce que les institutions de l'Église vont légitimer ou pas ces espèces de dérives charismatiques? Bah, j'aime pas la comparaison parce que du coup, les critiques vont tout de suite dire oui, mais le Dalai Lama, c'est pas le pape, etc. Argument qui en fait, pour moi, n'a aucune importance en fait. C'est pas un argument en soi en fait.
Mais c'est ça qui est utilisé. C'est ça qu'on dit, attention, attention, le bouddhisme n'est pas comme le catholicisme. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas organisé tel quel que ça ne doit pas s'organiser, que ça ne doit pas s'institutionnaliser. Et puis surtout, on constate une institutionnalisation. On constate une institutionnalisation pour recevoir des subsides, il y a une institutionnalisation. Pour recevoir des dons, il y a des fondations. Pour exister en tant que centre bouddhiste sur le paysage français ou belge, il y a des associations de loi 1901, il y a des ASBL, etc. Donc l'institutionnalisation, elle est là, hein, mais elle n'est pas là quand il y a des problèmes. C'est Il y ça. a, il y a personne chez qui aller voilà, dire il y a un problème. Et très souvent, malheureusement, pas que dans Wangkatsé, il y a la situation des enfants qui naissent dans ces situations-là et qui du coup naissent dans un cadre où en fait on leur a imposé un soi-disant maître spirituel à qui ils doivent obéissance et qu'ils ont, nous en fait on voyait, on a été entraîné à voir Robert Spatz comme un être voilà parfait depuis notre plus tendre enfance. C'est un peu Donc comme dans un ces critère de conditions-là, conscience, quoi. voilà, dans ces conditions-là, c'est comme si on vous dit que le Père Noël existe et on crée un montage vraiment très efficace pour vous faire croire que le Père Noël existe vraiment et qu'il faut le respecter. Et Ouais. alors quand vous avez, là, vous voyez à l'image, vous voyez un schéma voilà, des différentes relations entre les différentes personnes et la OKC, ben, y a des gens qui pensent qu'ils n'auraient jamais laissé leurs enfants tomber dans une situation pareille. Il y a des gens qui pensent que voilà, ils tomberaient jamais dans une secte. Ils entendent notre histoire et ils disent mais non, mais tous ces parents, ils sont tous coupables, ils sont complices. Et en fait, en faisant ça, ils se mettent complètement hors du contexte de l'histoire et ils se mettent complètement, ils sont, c'est un point de vue qui est complètement détaché en fait de la manière dont ça s'est déroulé. Qu'importe en fait que l'un ou l'autre ou que toute personne ne ferait ça et que tout le monde fera attention. Mais moi j'espère honnêtement que les gens feront attention à jamais tomber dans des trucs pareils. Mais la réalité c'est que n'importe qui peut faire partie d'une secte. Tu peux avoir une éducation, être un architecte, être un médecin, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux tomber dans une dérive sectaire et tu peux être amené à penser que pour le futur bien de tes enfants, ben, tu dois faire X et Y et que ce choix va potentiellement découler sur d'autres situations qui vont ensuite faire que tu vas perdre complètement le contrôle de ton vécu, de ton discernement, de ton pouvoir sur ta propre vie, etc. Ouais. C'est littéralement, tout le monde peut tomber là-dedans. Et il suffit d'une conjonction d'événements, souvent marquée par voilà, recherche de sens, une quête spirituelle, parfois une très très forte blessure. Hein, il peut y avoir énormément de ça. D'ailleurs, on retrouve des conseils d'administration entre différents centres bouddhistes qui se rendent compte qu'il y a tout un tas de détraqués qui sont attirés par le bouddhisme tibétain et le centre, les différents centres, de s'organiser entre eux et de se dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent essayer de faire pour aider ces personnes qui sont visiblement détraqués dans des situations voilà, de souffrance très difficiles. Et en fait, moi je pense que pendant des années, mais littéralement pendant 40 ans, je pense honnêtement, que le bouddhisme tibétain, il se prenait comme une panacée universelle qui pouvait potentiellement être une réponse à tout. Et ce n'est que depuis, je dirais, depuis les années 2000, qu'on assiste à un bouddhisme tibétain qui se dit, ben, en fait, non, vous n'êtes pas bien psychologiquement. Vous n'êtes pas du tout en forme, votre vie est complètement détraquée, vous n'avez pas de situation. Ben non, le bouddhisme tibétain ne va pas pouvoir vous aider, votre pratique ne va pas pouvoir vous aider, et vous devez d'abord vous occuper de vous-même, vous devez d'abord mettre votre vie en ordre avant de vous lancer dans une quête spirituelle. Or, voilà, je pense que dans les années 70, cette réflexion, elle n'a pas lieu, parce que remettre en cause que le bouddhisme tibétain n'est pas une solution à tout était presque une hérésie. Donc les rapports de différents contacts entre la fédération à l'époque, c'était la fédération du bouddhisme tibétain, qu'elle soit française ou belge, il y a des contacts et des prises de conscience sur ces questions,
Mais la réponse à ça, alors oui, ok, il y a un exemple où ils invitent un psychologue à venir dans une réunion de la Fédération du bouddhisme pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire comme, pour apporter des réponses concrètes aux adeptes qui sont dans des souffrances extrêmement difficiles. Mais même là, en voyant le compte-rendu en fait, de cette réunion, on se rend compte, oui, mais en fait, ils ont pris quoi comme réelle action pour se protéger, mais aussi, surtout pour protéger les personnes qui étaient dans des situations de souffrance très, très compliquées. Qu'il serait trop facile aujourd'hui de dire oui, mais c'est pas la faute des centres et des tas de détraqués qui arrivent chez nous, on peut pas gérer toute la misère du monde. Mais alors, votre bouddhisme, votre compassion, ils servent à quoi en fait? Il y Oui, quand a. on creuse, ça pose pas mal de questions. Mais on parle, Ricardo, de l'abus. Évidemment, l'abus est rendu possible parce qu'il y a une emprise, il y a un pouvoir. Et aussi parce qu'évidemment, autour de ça, il y a une omerta qui est organisée. Et du coup, je voudrais revenir un instant sur l'OKC et les dérives, j'ai envie de dire, sectaires que tu as décrites, les abus physiques, psychiques. Et le lien entre l'OKC et ces dérives-là. Et le bouddhisme tel qu'il est, j'ai envie de dire, prêché, vécu par le Dalai Lama. Parce que dans une image précédente, on voit Spats et le Dalai Lama. Est-ce que le Dalai Lama, à un moment donné, se dit, mais ça, c'est pas le vrai bouddhisme, et donc je m'en dissocie et publiquement, je délégitime Spats, ou bien au contraire, est-ce que justement, il y a cette omerta qui joue, cette loi du silence qui fait que l'un soutient l'autre et que finalement, on reste dans un statu quo? Sans du coup ben dire bah ben oui effectivement c'est une dérive doit être nommée et je me dissocie moi en tant que Dalai Lama sa sainteté je me dissocie justement de dérives qui n'ont rien à voir avec le bouddhisme. Alors ça, c'est un sujet qui est en pleine actualité parce que il y a un historique en fait de personnes qui rencontrent le Dalai Lama et il y a une espèce de justification chez les bouddhistes tibétains de se dire oui, mais le Dalai Lama, il est un Bouddha sur Terre et donc en fait, il ne discrimine pas et donc il rencontre tous les êtres. Et donc le Dalai Lama, il pourrait même rencontrer un terroriste. Et du coup, on peut se poser la question, oui, mais si le Dalai Lama s'affichera à côté d'un terroriste, même s'il sera un terroriste de l'esprit, hein, pour moi, Robert Spratt, c'est un terroriste de l'esprit, quoi. C'est un terroriste spirituel. C'est quelqu'un qui a fait énormément de mal à des centaines de personnes. Et pourtant, en 1990, il se retrouve à inviter et recevoir le Dalai Lama dans son centre bruxellois. Là, cette image que vous voyez, c'est ça. Voilà, grosse invite. Ici, vous voyez le restaurant Latsampa, qui était le restaurant végétarien de la OKC, avec le Dalai Lama, voilà, qui va y rentrer. Ici, vous voyez Robert Spatz, son fils, des adeptes proches de Robert Spatz, des personnes fondateurs de la OKC, et le Dalai Lama qui se retrouve à enseigner à l'intérieur de la OKC. Et puis qui se retrouve, comme on peut le voir dans cette image en haut, qui se trouve aussi dans le restaurant de la OKC. Mais ça a créé un énorme boost à la OKC. Ça a légitimé la OKC par rapport à d'autres centres bouddhistes tibétains. Ça l'a inscrite en fait dans un courant de bouddhisme tibétain totalement légitime. Et il y a zéro background check pour savoir quoi que ce soit. À ce moment-là, en 1990, il n'y a juste rien. C'est-à-dire, il part juste du principe que c'est bon. Alors que dans ces années-là, il y a déjà, allez, d'un point de vue, je dirais, gouvernemental, étatique, il y a déjà des soupçons qui traînent depuis les années 80 sur la OKC. Sauf que c'est qu'à partir de 1995, on va dire que la OKC va rentrer dans le radar des dérives sectaires. Notamment parce que dans ce bâtiment que vous voyez ici, en fait, tous les bâtiments qui suivent là appartiennent tous à la OKC. Et en principe, les enfants qui sont nés dans la OKC, une grande majorité se retrouvent enregistrés d'un point de vue légal à cette adresse. Et puis, les autorités belges se rendent compte qu'aucun de ces enfants ne fréquente des écoles publiques. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, la OKC va tomber dans le radar.
À ce moment-là, en 1990, le Dalai Lama, il n'en a aucune idée. Et les abus sexuels de Robert Spatz qui ont lieu depuis les années 80 sont totalement inconnus, sont totalement niés au sein de l'AOKC. Il y a une omerta totale déjà au sein de l'AOKC. Et il faudra attendre 1997 et les perquisitions de police pour qu'il y ait les premières quatre plaintes d'abus sexuels. Mais entre ce moment, 1990, et les perquisitions de 1997, vous avez ce moment, 1994, où ce document est émis par ce qu'on appelle le Kashag, l'administration tibétaine en exil, va émettre ce document, 1994, qui va. Voilà, ça dit ce que ça dit. Le présent document est établi afin d'affirmer qu'Ogyen Kunsang Choling, AOKC de Bruxelles et ses établissements en France et au Portugal sont tous d'authentiques centres tibétains bouddhistes. Ces centres tibétains bouddhistes ont été institués sous la direction de trois maîtres tibétains de l'école Nyingmapa de bouddhisme tibétain, tous tenus en très haute et profonde estime. Il s'agit là de trois maîtres de cette école, à savoir Kabje Lujum, Dilgo Khyentse et Kabje Kangyur Rinpoche. Nous espérons très sincèrement qu'il leur sera donné de croître et prospérer en faveur de toute l'humanité, et plus particulièrement de le faire dans l'intérêt de tous ceux qui souhaitent approfondir et pratiquer la philosophie bouddhiste et son mode de vie, signé par le Kalong de l'époque, qui est un petit peu le secrétaire direct. Dans ces années-là, le Dalai Lama, il est le chef temporel et spirituel et politique du bouddhisme tibétain en exil. Ce document, il est tout à fait totalement valide. D'ailleurs, il est utilisé par l'AOKC depuis 1994. Il est exposé dans les temples, il est exposé partout dans l'AOKC. Il y a vraiment eu, ça a été mis dans un joli cadre, ça a été mis partout dans l'AOKC. Et ensuite, ça va être utilisé en justice, ça va être utilisé dans la presse, dans les droits de réponse. Et ça va être, voilà, ça a presque ça a la valeur d'un sceau de légitimité. C'est comme s'ils étaient, vous voyez, c'est les bagues plongées dans la cire. Ben, ce document, cette signature, elle donne vraiment de la valeur à l'existence de l'AOKC. Et le fait que le Dalai Lama se retrouve avec Robert Spatz dans cette année-là, tout ça va renforcer la position, la visibilité de l'AOKC d'un point de vue, mais c'est indéniable. Suite à ça, il y a les 95, il y a les danses sacrées du Tibet, organisées avec la collaboration de Mathieu Ricard et la Hogen Kunzang Choling. Et donc, on se retrouve en fait à un Robert Spatz qui aura passé les années 90 à sentir que le vent commençait à tourner, à être dangereux, qu'il fallait bien se préparer, qu'il fallait bien faire un bon petit rebranding. Et c'est en 96 que vous avez la transformation du paradoxe restaurant végétarien en le dolma restaurant végétarien, décoration complètement tibétaine à l'intérieur, tout est à la mode tibétaine. Tout ça fait partie d'une vue bien précise sur le fait qu'ils devaient sentir que le radar des autorités était sur sa personne et sur son organisation, et il fallait s'entourer de tous les éléments légitimateurs qui pourrait l'aider à survivre. Et c'est ça qui s'est passé concrètement jusqu'aux perquisitions de 1997. Il y a même un article dans Le Vif qui est très intéressant. Je vais le lire parce que ça en dit long en fait. Sur une fédération des institutions bouddhistes de Belgique, à présent défunte, qui portait des sérieux soupçons à l'égard d'AOKC. N'assemblement-t-il jamais voulu dénoncer la secte? Nous pensions, alors ça c'est le représentant de la Fédération bouddhiste qui parle, nous pensions que l'action karmique allait se réaliser toute seule, explique un témoin. Que le gourou récolterait un jour le négatif, entre guillemets, en retour. Il fallait aussi être prudent. On n'entreprend pas d'action judiciaire sans preuves solides. Alors, poursuit un autre, on essayait d'aider les victimes les plus déséquilibrées, essentiellement par la parole. Et le Vif de terminer, pour mémoire, même le Dalai Lama s'est laissé prendre au siège de l'AOKC. En 1990, lors d'un séjour en Belgique, des photos l'ont immortalisé aux côtés de Robert Spatz. Donc, en fait, vous avez une fédération bouddhiste qui pense que le karma, il est au-dessus de la loi. Donc, le karma, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est la loi de cause à effet. C'est un des fondements qu'on retrouve dans le bouddhisme, pas que le bouddhisme tibétain, c'est vraiment un des fondements du bouddhisme.
Et ces personnes s'imaginent que le karma, il peut faire, genre, il fait compétition à la loi, quoi. Genre, donc, vous êtes au courant d'une dérive sectaire, grave, mais vous vous dites que le karma, il va faire le travail à la place de la justice. Et donc, vous mettez clairement, en fait, le fait religieux au-dessus des lois démocratiques et des lois qui gouvernent nos sociétés. Dans ces conditions-là, eh ben, pour moi, ben, c'est très évident que les fédérations bouddhistes de l'époque, avant qu'elles deviennent les unions bouddhistes qu'on connaît aujourd'hui, indirectement, elles ont participé à la continuité de l'existence de Robert Spratt et de sa dérive. C'est logique. Vous êtes dans une position d'institution, dans une position d'influence, de force, et vous ne faites rien en vous disant que le karma va régler les choses, eh bien, vous vous retrouvez complice d'une dérive, malgré vous, inconsciemment. Vous mettez toutes les excuses et les adjectifs que vous voulez, mais à la fin, tout ce beau petit monde a laissé faire. Voilà. Mais Et donc, oui, mais... on arrive d'ailleurs à une visite du Dalai Lama en 1998 au Portugal. Et vous avez le journaliste qui pose la question au représentant du Dalai Lama à Paris dans ces années-là. Le texte est en portugais, mais vous avez la traduction juste ici en dessous. Et donc, le journaliste de poser la question au secrétaire, selon le secrétaire du bureau du Tibet à Paris, sa sainteté pourrait venir à condamner publiquement Lhokseu. Il suffit de prouver les accusations. On est en 1998, on est un an après les perquisitions de police. Robert Spratt, ça fait 7 mois de prison. L'instruction est en plein développement. Et vous avez une institution religieuse qui va se cacher derrière le fait juridique pendant des années. C'est pareil pour ce que va devenir l'Union bouddhiste belge, qui essaye, on va dire, elle, de faire en sorte que le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme déjà soit reconnu à l'échelle nationale, à l'échelle du pays. Et donc, elle ne veut surtout pas faire de vagues. Elle ne veut surtout pas que le bouddhisme soit mis sur l'échiquier des religions en problème. Et donc, le représentant, contacté par le magazine Vision, a reconnu connaître l'existence d'un procès contre Lhokseu. Et puis, le secrétaire du Dalai Lama de dire, Wangpo Bashi, de dire, la justice est lente, mais si les crimes dont ils sont accusés sont fondés, nous ne manquerons pas de les condamner publiquement. En ce qui concerne les relations éventuelles du Dalai Lama avec la Lhokseu, Wangpo Bashi précise, sa sainteté a été une fois dans l'un des restaurants de la communauté à Bruxelles en 1990, il y a une erreur de frappe ici, mais c'était avant l'existence du bureau à Paris. Et en fait, ce n'est pas ça la phrase qu'il doit dire ici. Il devrait plutôt dire, mais c'était avant l'existence des perquisitions de police contre la Lhokseu. Enfin, moi, j'aurais plutôt dit ça. Quant à l'imposition de la vie monastique aux enfants, il se réfère aux pensées du Dalai Lama lui-même, sa sainteté considère que ce régime est mauvais, il n'a aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Toujours selon Wangpo Bashi, Lhokseu Portugal a tenté de négocier une visite du Dalai Lama auprès de la fondation Mário Soares en mai 1997, et le secrétaire a déclaré, nous avons décliné cette offre, nous avons contacté directement un secrétaire de la fondation 3 semaines exactement avant les opérations de police en Belgique et en France. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune réaction. Sa sainteté, cependant, ne voyage jamais sans un programme bien défini. Donc, sa sainteté ne voyage jamais sans un programme bien défini. Mais en 1990, elle vient quand même mettre les pièges à Lhokseu et vient donner un sacré coup de boost à Robert Spatz. Et donc, voilà, on est dans une histoire qui est longue, en fait, puisqu'après, moi, je finis par rencontrer le Dalai Lama en 2018 à Rotterdam, lors d'une campagne MeToo. Gourou qui s'organise sur les réseaux sociaux, où il y a d'autres victimes d'abus sexuels dans d'autres centres bouddhistes tibétains. Ici, vous avez 3 femmes qui viennent toutes de centres différents, qui ont toutes été abusées par des maîtres spirituels différents. Et moi, je suis ici sur la droite, je ne veux pas tenir les mains du Dalai Lama, parce que pour moi, je ne lui fais pas du tout confiance, en fait. Cette photo se fait dans les derniers instants de notre rencontre et c'est très compliqué de dire non, de dire bah non, en fait, allez vous faire foutre. Je me retrouve, moi, presque malgré moi, dans cette photo, et c'est le cas aussi, notamment de la personne qui est juste à côté de moi. Et on en a discuté juste après, on n'était pas
pas du tout à l'aise avec cette photo. Et d'autres survivants d'abus dans le bouddhisme tibétain aussi se sentent mal à l'aise avec cette photo. Parce qu'ils se sont dit, mais on a l'impression qu'il va être avec nous, qu'il va faire quelque chose, que ça va finalement être mis sur la table. Mais en fait, 5 années vont passer depuis les différents engagements qui ont été pris dans cette réunion et on en est exactement toujours au même point. Et donc, voilà, on est face à des problèmes, en fait, qui existent, comme le montre Bouddhisme, la loi du silence, le documentaire, qui montre que, voilà, depuis 1993, il y a des affaires très concrètes dans le bouddhisme tibétain qui sont prises en compte par personne, ni par les chefs d'école, ni par les fédérations du bouddhisme, ni par les unions du bouddhisme tibétain, et sûrement pas par la personne du Dalai Lama, qui, pour finir, en fait, il n'est pas le chef du bouddhisme tibétain. Aujourd'hui, c'est comme si, en fait, les gens le voient. Il y a aussi, je pense qu'il y a une projection, en fait, de la grandeur du Dalai Lama dans le chef des Occidentaux, qui en font de lui plus que ce qu'il est réellement. Et en même temps, il y a une utilisation dans le chef du Dalai Lama et du CTA, donc de l'administration tibétaine en exil, de ce produit marketing presque, de cette position, qui lui donne une énorme influence, mais qu'en même temps, il n'utilise pas. Donc, c'est ça. Donc en fait, vous voyez, par exemple, l'affaire Rigpa qui éclate en 2018, le Dalai Lama qui s'exprime sur Sogyal en 2017, dans un événement public en France, et il dit « Sogyal, mon ami, il a été disgracié. » Je vous fais la traduction. Ben, c'est incroyable, en fait, de continuer à traiter quelqu'un qui a plusieurs charges d'abus sexuels de Rinpoche, donc de précieux, qui est un titre honorifique, qui est censé être attribué à des personnes qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, et de dire que cette personne qui a été disgraciée est toujours son ami, pour moi, il y a une espèce de manque de conscience de qu'est-ce qui s'est passé, de en quoi ça consiste, c'est quoi effectivement, et une distance en fait tellement grande en fait envers les victimes en fait, où c'est de nouveau tout le temps la même charade qui est dite, c'est que le Dalai Lama encourage les victimes à aller dans les médias. Il encourage les victimes à... Il ne dit même pas qu'il faut aller en justice et porter plainte. Moi, dans ma rencontre, je lui dis qu'on a fait ces démarches et il me dit que c'est très bien et il me remercie. Mais ce n'est pas comme ça. On ne peut pas en fait, mettre sur le dos des victimes le fait d'aller, de s'exposer dans les médias, de s'exposer en justice, de faire tout le travail à la police, de tout faire. Et vous avez des institutions qui regardent et qui disent « Ah, mais nous, on ne peut pas prendre position, parce que tant qu'il y a une position juridique, ben nous, on ne peut pas affirmer qu'il est un criminel. » Mais alors, c'est quoi cette spiritualité, en fait? C'est quoi cette spiritualité? C'est-à-dire, ces gens ont un monopole de l'éthique, de la compassion, de notions, en fait, qui sont des notions totalement universelles, et ils ont un monopole dessus, et ils doivent attendre. D'un côté, ils mettent le karma au-dessus des lois... Ils mettent les lois religieuses au-dessus des lois humaines. Et de l'autre côté, ils se mettent en dessous quand ça les arrange pour dire « Ah, mais non, mais nous, en fait, on ne peut pas faire de diffamation. Et tant qu'il n'y a pas condamnation, ben, en fait, il est innocent. Ben, » c'est bien pratique, hein, quand même, comme système. Et donc, forcément, il y a un écroulement de l'intégrité. Il y a un écroulement de la confiance. Parce que si un chef religieux éthique qui a un avis sur la compassion, il entend des victimes qui viennent lui raconter des horreurs, mais il réserve toute prononciation tant que la justice n'a pas terminé son travail. Mais tu te dis, mais il est où? Il est où le contact rapproché du Dalai Lama avec des personnes? À quoi ça sert de toucher quelqu'un et d'être tactile avec les gens et d'être soi-disant proche des gens, mais de rester à une année-lumière en fait, des personnes qui subissent directement des dérives qui émanent directement de la religion, de son organisation et de tout le système qui tourne autour. Mais disons que les victimes, évidemment, viennent remettre en cause le système lui-même. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que vers l'extérieur, on peut être plein de compassion. Mais quand, évidemment, soi-même, on génère des abus et des victimes, à ce moment-là, évidemment, c'est l'omerta, c'est le silence. Et puis, on attend que les autres...
face éventuellement le travail, à savoir les autorités judiciaires, mais il y a évidemment l'entre-soi. On l'a bien vu aussi avec les dérives sectaires au sein de l'Église catholique. C'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est ça qui est triste, c'est-à-dire que la personne qui a autorité, qui pourrait dire à un moment donné, parce qu'elle a une parole forte et qu'elle est encore respectée, respectable, elle pourrait évidemment mettre les choses au point en disant c'est absolument inadmissible et je n'attends pas évidemment que la justice fasse son travail. Moi, en tant qu'autorité spirituelle religieuse, je dis clairement effectivement ce qu'il en est. Et à ce moment-là, ça permet aussi de légitimer une parole, de légitimer, je dirais quelque part, tout ce concept d'enseignement d'amour, de compassion, de bonté. Parce que finalement, en mettant tout sous une chape de plomb, avec les années, à un moment donné, ça va se retourner contre celui-là même qui voulait quelque part sauvegarder son système intact. Il va s'auto-détruire. Ça c'est très très clair. Je montre ici un site web qui a été fait par différentes personnes qui se sont rassemblées pour un petit peu se dire, bon, mais s'ils ne veulent pas faire s'ils veulent pas mettre en avant les maîtres qui sont des abuseurs, des prédateurs, s'il n'y a pas de liste officielle de centres légitimes, s'il n'y a pas de liste officielle de maîtres légitimes, alors il faut que quelqu'un fasse un site qui montre des maîtres, entre guillemets, qui sont des prédateurs. Et c'est pour ça que ce site, il existe. Vous voyez ici Robert Spatz, ici la Wemassourie, vous voyez Shogyam Trungpa sur la gauche en haut, son régent, son fils, ici deux lamas américains, vous voyez Sogyal ici, vous voyez Namkha Rinpoche ici. Toutes ces personnes, en fait, ont mélangé le bouddhisme tibétain à des systèmes coercitifs, où différents types d'abus, qu'ils soient psychologiques, physiques ou sexuels, ont eu lieu. Et en fait, il y a même une liste sur Internet, il y a une liste incomplète, comme ça, avec une centaine d'individus ou de centres où il y a eu des choses vraiment totalement inadmissibles qui se sont passées. Et la liste, elle est quand même longue, en fait, hein. Il y a 68 entrées dans cette liste, et c'est à peine une liste vraiment... incomplète, totalement incomplète en fait. On se retrouve à devoir presque travailler avec différentes victimes dans différents centres et collecter des données et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui leur est arrivé, que pour arriver à faire avancer les choses et se dire en fait la seule chose qu'on peut faire c'est protéger les gens et les informer le mieux possible via Internet pour que les gens évitent tous ces endroits absolument toxiques et abusifs. Mais Oui. c'est absurde que ce soit aux victimes de s'organiser de la sorte pour faire avancer les choses à ce point, en fait. Mais C'est comme souvent, ce sont les victimes, la justice et les médias. C'est pas de l'intérieur que les problèmes se résolvent. Les problèmes se résolvent à l'intérieur parce que quelque part, ils ont été contraints de l'extérieur. voilà, c'est ça. On a vu Ricardo. Que la pression, en fait, c'est que la pression. Moi, j'arrive à provoquer en mars 2023 la sortie du directeur spirituel de l'AOKC, qui est dans l'AOKC depuis 1996, qui a reçu le réquisitoire juridique dans ses mains en 2010. Et il faut attendre le documentaire Aspect Bouddhisme, la loi du silence pour après 7 mois de lobbying. Ils se disent qu'en fait, il ne peut pas rester en contact avec ces gens, qu'il doit sortir. Et voilà, donc le directeur spirituel de l'AOKC au centre avec Robert Spatz en 1996. Ici, vous avez un extrait d'un mail de Rabjam Rinpoche qui va visiter Robert Spatz en 2009. 2009. Vous avez ici Rabjam de nouveau avec Robert Spatz en 1996. À Château de Soleil. Et vous avez toute une ligne du temps ici qui démontre en fait les visites des différents Tibétains à Château de Soleil ou dans la Haut-Cassée qui vont se dérouler sur toute la période des années 80 jusqu'aux années 2000 et donc en pleine instruction judiciaire. Et comme vous pouvez le voir sur le nombre de petits points que vous avez sur ce graphique, il y a plusieurs visites. Voilà, il y en a vraiment des tas, quoi. Et donc tout ça,
participe en fait aussi au maintien de la légitimité de l'avocat pendant les procédures juridiques. Et 2010, il reçoit le dossier, allez, il reçoit un réquisitoire juridique qui liste un petit peu les charges contre l'AOKC et Robert Spatz. En 2017, il reçoit des lettres directement de deux parties civiles au KC Info, leur informant vraiment ce qu'elles ont vécu et comment leurs parents aussi ont été prises dans cette nasse et y ont cru. Tout ça est très très bien expliqué. Vous lire les lettres directement ici sur notre site. Et en 2023, après 7 mois de lobbying, Rajob Rinpoché nous fend cette lettre où il s'excuse pour le temps qui est passé. Il est profondément triste, il regrette la souffrance, les traumatismes qui ont été ignorés aussi longtemps. Il propose la conduite d'une cérémonie auxquelles les victimes seront invitées à participer. Et il décide que c'est des plus appropriés pour cette chaîne, son organisation, donc d'être associé avec l'AOKC. Et donc ça, c'est le 10 mars 2023. Et donc il y a eu entre le moment où il est prévenu directement par des victimes 2010 et aujourd'hui, il y a 13 ans qui se déroulent où c'est l'absence quoi, c'est l'absence de prise de position concrète. Et encore ça, tout ce travail, il a été possible grâce notamment c'est Mathieu Ricard qui va se rendre compte par une rencontre avec moi et d'autres parties civiles en fin 2022. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un début de prise de conscience dans le chef de Mathieu Ricard qui va faire en quelque sorte, qui va intercéder en notre faveur, mais un peu de nouveau comme si nous étions un cas unique. Donc on fait de nouveau, on fait fi de Shambhala, on fait fi de Rigpa, on fait fi des autres affaires dans le bouddhisme tibétain, dont certaines sont en justice en France. Ce n'est peut-être pas autant médiatisé, mais il y a des affaires juridiques en France contre des centres bouddhistes tibétains. J'en connais deux, comme ça, juste comme ça. Et non, alors, au cas c'est info, ça c'est différent parce que c'était des enfants, ils n'ont pas eu le choix. Mais toutes les autres, on en fait quoi alors? On n'en parle pas. Ou alors on relativise. On dit dans les médias que dans la société, il y a 3% de débiles mentaux, de fous, de pervers narcissiques, de cinglés. Et donc, vu que le bouddhisme est globalisé, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un pourcentage de débiles, de cinglés, de pervers narcissiques qui sont potentiellement aux mains de centres bouddhistes, officiellement reconnus. Et on devrait accepter ça parce qu'il y a une statistique qui dit que, en fait, on pourrait distribuer le nombre de cinglés qu'il y a dans chaque religion. Enfin, c'est une réponse, mais pour moi, c'est une réponse qui est tellement à côté de la plaque, en fait, quoi, que tu te dis, mais comment c'est possible que quelqu'un qui représente. Malgré lui, il paraît l'homme le plus heureux du monde, qui va sur les plateaux de TV habillé en moine. Donc, il vient pas en tant que laïc parler des bienfaits de la méditation ou de soi-disant d'une philosophie. Il vient en moine. Il vient pas en moine Theravada ou en moine Mahayana je sais pas, qui se limiterait à parler uniquement de la philosophie. Il vient et il professe des conseils à la société, il professe il propose des alternatives, il se mêle d'écologie, des animaux, de végétarianisme, de tous les sujets de notre société. Mais il est habillé en moine tibétain. Et il a été le traducteur de Dalai Lama pendant des années. Et il est le disciple du directeur spirituel de l'AOKC. Donc on a toute cette nébuleuse, en fait, qui est là, qui tout d'un coup s'est un petit peu secouée parce que les médias, merci, parce que les médias, le documentaire, le journalisme, parce que on s'organise, parce que les victimes ont fait tout le travail qu'elles ont fait. Mais sinon, pour des gens qui se prennent pour les leaders de l'éthique, de l'intégrité, de la compassion, etc., mais elle est où la proactivité, en fait? Elle est où la volonté de se dire qu'en fait un bouddhisme qui ne se préoccupe pas des sujets de la société, ou même qui ne se préoccupe pas des désastres en son sein, en fait, mais comment il peut prêcher quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait? Donc, Oui, c'est ça. moi, je pense qu'il y a une grosse introspection à faire, en fait. Sinon,
Sinon, voilà, il faut assumer, voilà, c'est un business, on assume. Moi, ça, c'est des académiques américains qui le disent, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Certaines corporations ultra-capitalistes, aujourd'hui dans le monde, gèrent mieux des dérives, des cas de dérives d'abus sexuels ou d'harcèlement sexuel ou de coercion qui se passent en leur sein que la plupart des religions. C'est quand même dingue se dire que, je ne sais pas moi, qu'un cas d'abus chez Amazon ou chez Apple va être mieux géré que dans un monopole de l'éthique, enfin, ou de l'intégrité et Oui, oui, de la chose religieuse. C'est fou. oui. Oui, c'est fou. Je pense que ça s'explique parfaitement parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je pense également, ils se sentent au-dessus des lois et donc ils ont un système interne pour entre guillemets, pas gérer, mais en fait étouffer. Comme dans l'Église catholique, les prêtres qui étaient pédocriminels, finalement, ils étaient transférés dans d'autres diocèses et recommençaient, je pense, de la même manière au sein du bouddhisme. Il y a eu aussi ce genre de cas où il y a eu des abus et puis finalement ils ont été je dirais C'est le cas de Sogyal. Typiquement, Sogyal, il est une des personnes accusées dans les années, déjà dans son premier cas, dans les années 70. La réunion de 1993 de Dharamsala avec le Dalai Lama sur la question des abus sexuels qu'on retrouve dans le documentaire, elle se fait en partie à cause de Sogyal. Et en 2008, vous avez le Dalai Lama qui visite l'ouverture du plus grand centre de Sogyal en France, les Ravelines. Comme si, avec tout, avec la crème de la crème, Nicolas Sarkozy, Rajab Rinpoche y est, Mathieu Ricard y est, tout le monde se déplace chez Sogyal alors qu'il est un prédateur notoire. Et on se déplace chez lui parce que c'est un événement incontournable du bouddhisme tibétain. Et parce que, soi-disant, tu peux être un entrepreneur dans le bouddhisme tibétain, un entrepreneur même à succès. Vendre des millions de livres, être un prédateur sexuel en même temps, et soi-disant le bien que tu ferais pour la propagation du dharma, du bouddhisme, est plus important que le mal que tu fais, ne fût-ce qu'à une fourmi. Moi, je trouve ça explose mais complètement la légitimité et l'existence même, la nature même de ce qu'on pourrait penser qu'est le bouddhisme tibétain. Surtout dans ses aspects, même si on prend ses aspects dépouillés de sa culture, voilà, et qu'on le nettoie, je sais pas moi, qu'on le laïcise, quelque chose d'ailleurs que les puristes du bouddhisme tibétain détestent absolument, la laïcisation du bouddhisme tibétain chez les Occidentaux, où on se débarrasse en fait de tout un bazar, est très mal perçue par des puristes. Qui sont, moi, je trouve, presque des fondamentalistes, en fait, de vouloir protéger quelque chose qui est un imbriquement de religion, de culture, de pensée, de sagesse. Tout ça est tellement imbriqué et on voudrait absolument garder des choses qui sont profondément abjectes, qui devraient être séparées radicalement d'une philosophie, d'une religion. Tous les peuples sur la Terre, ils ont évolué, les mœurs changent. Le bouddhisme dit lui-même que l'interdépendance est l'essence même des choses, que le changement est l'essence même des choses. Et on voudrait figer quelque chose dans un dogme pour ne pas qu'il change, parce qu'il faut garder la pureté. Et en fait, tout ça est aussi connecté à la survie de la culture tibétaine en tant que telle. Et donc, moi, je comprends. Je comprends voilà, la situation du peuple tibétain qui est connectée à la préservation de sa culture, mais qui devrait être séparée du fait que cette religion retransmet et reproduit des schémas qui sont profondément dangereux et qui ne devraient pas être utilisés de la sorte, surtout pas aujourd'hui, et surtout pas envers des personnes qui sont soi-disant dans une recherche de quête de sens, une recherche spirituelle. Si on n'a pas le discernement pour arrêter ça et pour trier, on va dire, le bon grain du mauvais, s'il n'y a pas des mécanismes en place qui permettent en fait aux adeptes justement se dire, tiens, ici, je suis dans un espace sain, je suis protégé, la philosophie qui m'entoure me protège, me rassure, et je sais que je suis en sécurité ici. Si on ne peut pas se sentir comme ça dans une église ou dans un temple, mais alors, c'est contradictoire.
Peut-être quand même revenir maintenant, Ricardo, il venait plutôt à ton engagement personnel, justement, suite aux perquisitions de 1997 et le procès qui s'en est suivi en Belgique. Il y a eu des rebondissements, évidemment, et toi, avec d'autres, vous êtes porté partie civile. Et avant de donner la parole par rapport justement un peu à nous retracer un peu la procédure, les écueils et ce qui était important justement de mettre en lumière, je voudrais quand même rappeler aussi que ça a déjà été fait, je dirais, de manière extrêmement pointue et tu y as la parole parmi d'autres, mais on te voit effectivement filigrane de manière transversale dans tout le documentaire. C'est le documentaire d'Arte qui était visible depuis le 12 avril 2023, qui est intitulé Bouddhisme. La loi du silence, qui exprime très bien justement cette loi du silence et tout le procès qui a débuté en 97. Donc ça, il a fallu un bail avant que ça ne se termine par un arrêt de la Cour de cassation et un renvoi devant la Cour d'appel de Liège et puis un rejet par la Cour de cassation du pourvoi introduit par le dirigeant de l'OKC, Spatz. Tu vas un peu nous retracer effectivement ce pas extrêmement important, je dirais, pour une partie civile comme toi avec d'autres, de faire ce pas et d'aller en justice. Oui, alors c'est un très long trajet, puisque moi, en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup de ma génération, à partir des années 2000, sortent de la OKC, que ce soit via des rencontres, que ce soit via des opportunités professionnelles, que ce soit via des choix de juste tout quitter et aller faire autre chose, de suivre une opportunité, de prendre une formation, de s'envoler par nos propres ailes. Et donc, il y a. A priori, à la base, pour moi, il y a plus une fuite, en fait. Tout le monde s'enfuit de ce truc. Et en fait, c'est vraiment la question des abus sexuels qui va faire émergence d'abord au sein de la OKC, entre les années 2000 et les années 2010, où 2010, on est vraiment à une explosion en interne de 6 cas d'abus sexuels qui ont été comptés par nos soins, par un petit groupe de personnes qui se rassemblent sous la dénomination de attitude collégiale. On essayait d'être très très poli en voulant mettre sur la table ces dérives. En fait, on va écrire une lettre qui va être distribuée dans toute la OKC où on va pas nommer les victimes qu'on suspecte, mais on va les compter. Et on va déclarer en fait que c'est totalement inadmissible et que si des cas d'abus sexuels sont toujours en cours, comme on le soupçonne dans ces années-là, que les personnes concernées devraient être libérées de l'emprise de Robert Spatz et que Robert Spatz devrait être mis face à sa responsabilité en fait. Et donc entre les années 2000 et 2010, il y a plein de choses contradictoires puisqu'on est tous dans des périodes de sortie. Moi, je me rappelle que je vais encore visiter une dernière fois Château de Soleil, par exemple. J'y suis allé avec ma fille. Entre-temps, je suis devenu papa. Il y a plein de choses totalement contradictoires qui sont même d'ailleurs utilisées contre nous dans ces procédures juridiques où on nous prend en photo face à je sais pas qui, enfin à côté de je sais pas qui. Et puis après, on vient nous dire, mais regardez, en 2010, vous avez été sur place, vous avez rien dit. Et en fait, ils comprennent absolument pas en fait le long trajet de traversée du désert, en fait, qu'on pourrait comparer, je dirais, à par exemple, une famille incestueuse où il y aurait des choses extrêmement graves qui seraient passées dans une famille. Et le fait d'aller contre ses propres parents, contre son propre environnement social, est une difficulté qui est mais 1000 fois plus dure que, je sais pas moi, vous faites à l'âge adulte, vous faites abuser dans un centre, je ne sais pas où, ou même vous êtes en train de courir dans un parc, vous faites abuser d'une façon ou d'une autre, que ce soit physiquement ou sexuellement, et vous faites une plainte contre X ou une plainte contre votre agresseur, mais votre agresseur, vous ne le connaissez pas. Donc la difficulté de faire une action en justice contre là d'où on vient est une difficulté, c'est un poids extrêmement dur à porter. Et donc, en 2010, on fait des menaces, entre guillemets. On dit, si les deux filles qui sont toujours auprès de Robert Spass ne sont pas libérées, on va aller dans les médias. On va en parler. Là, l'affaire éclate, pour l'instant, qu'en interne.
Et en fait, chacun est trop occupé dans sa vie. Vous ne pouvez pas en même temps vous sortir d'une situation pareille, travailler, payer vos loyers, vos machins, vos factures, vos bazars, les enfants. C'est une nébuleuse, mais c'est impossible en fait à gérer. Et donc, en fait, on n'en fera rien. C'est-à-dire qu'on n'ira pas aux médias en 2010. On n'en fera rien. Il y a 4 ans qui vont passer où on n'a même pas conscience de se dire: ah, mais en fait, à l'époque, il y avait eu des perquisitions de police. Peut-être qu'on devrait aller à la police. Il y a juste personne qui est en train de se dire de ça. Et s'il y a des personnes qui y pensent, c'est des processus très internes, très solitaires, en fait. Parce que toute idée même de se lever contre tout ça est profondément, est une source, en fait, d'ostracisation, d'isolement, de se retourner contre les siens. Et même si dans ces années-là, il y a déjà une prise de conscience sur. Je me rappelle que dans ces années-là, très clairement, à partir de 2006, il y a déjà des notions ouais, en fait, ce n'est pas du bouddhisme. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas du bouddhisme. C'est des pensées qui émergent dans nos discussions entre jeunes, etc. Mais il y a encore énormément de non-remises en question de ce qui nous est arrivé, de quelle est la place de la religion et de toutes ces institutions et de tout ce cadre autour de nous, dans ce qui nous est arrivé. On est loin de remettre tout ça véritablement en question. Et on peut même dire que jusqu'aux procédures juridiques de 2016, et même jusqu'encore en 2017, on est tous dans une espèce de protection indirecte. On se dit, mais attention, et les gens, je me rappelle de personnes qui me font une pression, mais pas possible, de me dire: tu vas mettre tous nos vieux dans la rue. Nos vieux vont se retrouver, nos parents vont se retrouver sans toi. Ce que tu vas faire, ça va détruire la communauté. Et donc, c'est extrêmement difficile. Ça peut être comparé à quelqu'un qui fait une action en justice contre son propre père ou sa propre mère et qui se dit: si je vais au bout de ma démarche, je vais peut-être foutre mon père en prison. Alors, les avocats de la partie adverse, ils sont là en train d'essayer justement de détourner la responsabilité de la direction ou de Robert Spatz sur les parents, parce que c'est bien commode pour trouver une manière de rediriger la responsabilité. Mais quel enfant a envie de mettre ses parents en prison? Quel enfant a envie de... Et c'est pour ça que je dis que tout le monde peut tomber là-dedans, que ça peut arriver à tout le monde et que des parents pourraient tout à fait très bien se retrouver dans cette situation un jour. Parce que voilà, c'est la réalité, c'est vraiment la réalité. Ma mère, elle est mineure. Quand elle arrive là-dedans, il y a une pression verticale qui émane de la direction de Robert Spatz, et il y a une pression horizontale qui émane des autres membres. C'est un écosystème qui s'influence les uns les autres. C'est complexe. Si déjà une famille, c'est complexe. Mais alors, imaginez une espèce de multifamille avec des multinodes, avec des langues différentes, des cultures différentes, des approches différentes, mais qui, tout en commun, elles veulent protéger l'écosystème. Tout en commun, elles ne peuvent pas se permettre que ça s'écroule. Parce que si ça s'écroule, elles ne savent pas où elles vont aller. Elles n'ont pas d'autonomie financière, elles n'ont pas de liberté réelle. Et donc, il faut protéger l'écosystème. Et donc, voilà, se battre contre tout ça, c'est très très difficile. Et donc moi, en fait, je procrastine énormément. Dans ces années-là, j'ai fait un peu de militance, j'ai organisé des manifestations, j'ai fait sur des causes, voilà, réfugiés, climat, etc. Mais en même temps, au fond de moi, en fait, j'ai une graine qui pousse et qui est là et qui stagne et qui se dit: en fait, tu as beau t'occuper de tous les problèmes du monde, si tu t'occupes pas de toi-même et de ton propre passé, eh ben, à quoi bon, en fait? Et donc, voilà, à partir de 2015, je décide de raconter mon histoire, en fait, à une journaliste qui est une amie assez proche. Et c'est en sortant de là, en fait, qu'elle va me dire: écoute, je connais un avocat, je te donne son contact, tu lui fais un pitch de ton histoire de voir si tu arrives à obtenir un rendez-vous. Et moi, à ce moment-là, pour vous dire, hein, en 2013, par exemple, il y a eu des étapes dans la procédure. L'affaire a été renvoyée
en correctionnel, et ben moi, ce n'est pas du tout comme si je sais où aller pour chercher l'info, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que l'affaire en est. C'est littéralement, même si je suis en processus de sortie, je me sens toujours comme un martien. Je ne maîtrise pas les codes, je ne sais pas où aller, qui contacter, comment faire, etc. Donc c'est littéralement d'une manière inconsciente et sous-informée que je me jette dans ce contact avec cet avocat en me disant, c'est vraiment, je suis vraiment du genre, je jette une bouée en disant, peut-être quelqu'un va l'attraper, quoi. Et c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Je vais avoir une réponse positive. Je vais avoir un premier rendez-vous. On va pouvoir raconter brièvement d'où on vient, du fait qu'on a complètement raté l'instruction, du fait qu'on a complètement aucune notion de où en est la procédure. Et donc, voilà, début janvier 2016, on se retrouve dans la cour, allez, dans la cour correctionnelle du parquet, la 89e chambre du parquet de Bruxelles, et on se retrouve à. Je pense qu'en une semaine, alors que l'AOKC se préparait depuis quasiment 17 ans, en soignant bien son image de centre bouddhiste, en ayant effacé toutes les mauvaises recherches qu'on pouvait faire sur Google dans ces années-là, en utilisant le droit à l'oubli, en soignant sa page Wikipédia, qui à ce moment-là est complètement pilotée par l'AOKC, tout ça en fait présente une AOKC voilà, dans une image très soignée. Il n'y a aucune photo de Robert Spatz qui traîne sur Internet, aucune. Il n'y a rien. Et nous, voilà, fin 2015, on lance OKC Info. Au début, on est 2, on est 4, on est 6, on est 8, on est 10, on est 12. Et ça monte comme ça. Et chaque personne, on se connaît tous, tout ce groupe que vous voyez là, surtout sur je dirais la droite de l'image. D'ailleurs, on me voit là, on a tous ces habits rouges là, que c'était des habits avec lesquels on allait faire nos pratiques au temple. Le groupe des jeunes, qui sont ceux de ma génération, sont sur la droite de cette image-là. Et chacun est la clé pour quelqu'un d'autre. On se connaît tous vraiment très très bien depuis qu'on est gamin, on se connaît depuis 30, 40 ans. Et moi, je sais que je peux parler à certaines personnes, et certaines personnes peuvent parler à d'autres personnes. Et donc, ce qui va nous bouger, en fait, c'est de nous dire, en fait, il faut protéger l'intégrité et la crédibilité des filles qui ont subi des abus sexuels. Moi, à ce moment-là, quand je commence, je suis même pas vraiment dans une grande démarche par rapport à mon propre vécu, honnêtement. Je suis vraiment dans une démarche, ce qui va vraiment pas, c'est les abus sexuels, quoi. Il faut absolument, on peut pas laisser passer ça, quoi. C'est toute ma motivation. Et je me rends compte que même en 2016, moi-même, j'ai pas une notion aussi précise qu'aujourd'hui en fait, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui s'est passé précisément. À ce moment-là, il faut bien se dire que même entre nous, on ne s'est pas raconté tout ce qu'on a vécu. Même entre amis, on se connaît depuis 30 ans, c'est pas pour ça que certaines de mes amies m'ont raconté les abus sexuels qu'elles ont subis directement dans Robert Spatz. Et donc, en fait, il y a même. Nous-mêmes, on découvre, en fait. Donc, dans les premiers jours de la procédure, on va prendre une semaine, en fait, où on va raconter nos différents vécus. Moi, je vais essayer de peindre un tableau, un peu comme je le fais dans cette vidéo, mais je vais essayer de peindre un tableau de c'est quoi le contexte, en fait, de tout ça? Parce que tu te rends bien compte que la cour, elle n'est pas du tout informée. C'est quoi cette communauté? C'est quoi ce centre bouddhiste? C'est quoi le bouddhisme? Et d'ailleurs, en fait, dans toute la procédure, on parle énormément de bouddhisme, quoi. C'est-à-dire que l'AOKC se défend pratiquement sur les arguments de la liberté religieuse, de le droit aux parents à éduquer leurs enfants comme bon leur semble. C'est ça qui est. L'AOKC se présente comme une minorité religieuse persécutée. Donc, nous, en fait, on vient mettre un pavé dans la mare, et en une semaine, 17 ans de stratégie judiciaire explosent en plein vol. Et en fait, on sait, même si on a du mal à comprendre les implications de ce qu'on sait, mais notre avocat nous prévient. Tout ce qui n'a pas été instruit ne va pas pouvoir être jugé. Et donc, on se retrouve dans une espèce de moment, comment on dit, cathartique, de libération de la parole dans une cour de justice, où pour la première fois, on parle de ce qui nous est arrivé, alors que. Honnêtement, moi, jusqu'à ce moment-là, je n'avais même jamais raconté à un psy qui m'était arrivé, quoi.
Je Oui, pour n'avais le coup, jamais raconté c'est... à mes parents ce qui m'était arrivé dans la totalité. Et là, face à la cour, tu te dis, en fait, il faut être honnête, quoi. Tu vois, faut vraiment être honnête. Et chacun a été d'une honnêteté qui a annihilé, en fait, la défense et les narratifs, on va dire, de la OKC. Et sa présentation a explosé en mille pièces, en fait. Ça a été... Grâce à votre vécu cathartique, mais c'est pour le coup, c'est vraiment sortir d'un isolement terrible que de prendre la parole et que d'aller, je dirais, exposer son histoire devant la justice. Et en plus, ce n'est pas huis clos, c'est ouvert au public, donc c'est vrai que c'est. C'était violent, honnêtement, c'était violent. Et je pense que nous, on n'était pas dans une stratégie de se dire, oui, en fait, c'est rien qu'on parle de tout ça, parce que de toute façon, ce ne sera pas jugé. Et en même temps, on avait besoin de parler. Et en même temps, on n'était pas dans des logiques, ah, on va dire ça. Enfin, c'est complètement faux. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent été accusé de soi-disant, j'ai manipulé tout le monde, j'ai instruit les gens sur ce qu'ils devaient dire. D'ailleurs, au début, je me rends compte qu'en fait, dans la OKC, personne ne connaît les charges contre la OKC elle-même. C'est-à-dire que même les membres n'ont aucune notion de ce qui leur est reproché, juridiquement parlant. Ils n'ont jamais lu le réquisitoire juridique. Ils ne savent pas c'est quoi les 170 charges d'accusation à l'encontre de Robert Spatz. Au début du procès, il n'y a que la direction en fait, qui est au courant et les avocats, et Robert Spatz lui-même. Et donc, moi, je prends le réquisitoire juridique et je le mets dans un groupe Facebook fermé. Et c'est la première fois en fait, que les adeptes vont prendre conscience en fait, de la gravité et de l'ampleur des accusations. Et pour ça, je vais être martyrisé dans la procédure judiciaire. Parce que, soi-disant, j'aurais publié le dossier en ligne. J'aurais distribué les pièces du dossier à bon vent. Tout ça est un énorme mensonge utilisé par la défense. Je suis bien conscient aujourd'hui, je ne le referai plus du tout de cette façon-là. Je n'étais même pas conscient que j'étais en train de faire un acte illégal d'un point de vue juridique. Et en même temps... Si je devais me retrouver dans cette situation où il fallait informer des gens qui ont été intentionnellement sous-informés afin de protéger l'organisation, mais moi je republie le même document, je ne publie pas le dossier, attention, mais je publie le même document qui essentialise en fait la liste des charges et la liste des accusations, mais sans hésiter, quoi. Sans hésiter, parce que on ne peut pas. Moi, je ne voudrais pas être complice de protéger une organisation qui est accusée de tous ces crimes et dont même les adeptes et les membres ne sont pas au courant. Pour moi, c'était hors de question. Il fallait libérer l'information et il fallait aussi libérer la parole. Et donc, j'assume totalement, quoi, j'assume. Et c'est ce qui va permettre, en fait, après des mois de procédure, un appel en cassation en 2017. 2018, cet appel est rejeté. Et donc, les parties civiles et le ministère public vont aller à l'encontre de l'appel qui a été fait par les accusés. Et cet appel va être cassé. Cette preuve va être rejetée. Donc, nous, on va pouvoir refaire le procès en 2020. Ça va durer 8 mois, en plein Covid. Et là, on est dans une autre cour. On est à Liège. Et on est face à une cour extrêmement compétente qui connaît le dossier sur le bout de ses doigts. C'est absolument impressionnant comparé au parquet de Bruxelles. C'est vraiment impressionnant. Et on est mieux préparé. On s'est échauffé, on Oui, j'imagine va la procédure. Oui. dire. On s'est C'est vrai échauffé. On connaît comment ça marche. On connaît les pressions qu'on va subir. On sait comment ils vont essayer de nous déstabiliser. Et on y va. Et on y va. Il y a certaines parties qui ne peuvent plus être là parce que c'est prescrit, parce qu'elles savent elles-mêmes que ça n'a pas été instruit et que donc elles n'ont pas envie de s'impliquer à nouveau, alors que de toute façon, elles ne vont pas pouvoir être jugées sur ces faits-là. Et donc, on est dans toutes ces démarches et en même temps, 2017, moi, je suis contacté par un enquêteur de la police française et je vais pouvoir
faire le même rôle que j'ai fait en Belgique, de mettre en relation des potentielles victimes par rapport à une enquête qui est en cours, par rapport à une instruction qui est en cours. Et donc, en fait, en parallèle que se déroule l'affaire belge, commence une affaire française qui est toujours en instruction aujourd'hui, qui en 2021 va se réouvrir. Le dossier au casier France, qui s'était terminé sur un non-lieu partiel, se réouvre. Et en parallèle de ça, fin 2020, on arrive 5 ans avec sursis. Après, voilà, 8 mois de procédure juridique extrêmement lourde, extrêmement difficile. Moi, j'ai voulu assister à toutes les audiences. Je me suis un peu sacrifié, honnêtement, par rapport à tout ça. Et Parce que. comment justement a été reçu le verdict finalement après ces 8 mois d'audience? Ça a dû être évidemment extrêmement intense. Vous avez été écouté, donc j'ai vu que ça participe aussi quelque part à l'objectivation des abus commis à votre égard. Et puis à ce verdict qui tombe, donc c'est une libération. Comment ça se vit après C'est très toute fort. cette tension? C'est très très fort puisque la torture a été reconnue. Donc tout, ça englobe tous les abus physiques contre toutes les maltraitances qui ont été faites contre les enfants. C'est très très fort. D'une certaine façon, l'emprise a aussi été reconnue puisque en fait la direction cassée est même acquittée. Elle est reconnue non responsable. Elle n'est pas reconnue innocente, mais elle est reconnue comme non responsable dans une partie des faits qui sont instruits. Il y a aussi toute une partie de l'affaire financière qui s'effondre. Donc il y a des déceptions, mais en même temps, il y a quand même des points essentiels, la prise d'otages, les maltraitances, l'emprise qui sont reconnues, qui sont là. C'est condamné, c'est écrit, quoi. Il va de nouveau faire appel de cette condamnation. Et donc c'est qu'en 2022, en octobre 2022, Donc on va apprendre que son pourvoi en cassation est rejeté et que donc la condamnation tient. Et pour moi, c'est un peu, c'est la culmination en fait de 2016, 2022. Bon, déjà 2020, quand ça finit, c'est comme si tu avais un sac de pierre sur tes épaules et que tu t'en délestes, quoi. Oui. Et C'est un soulagement. C'est un oui. Et j'imagine soulagement. pour montrer un petit peu aussi l'ampleur du dossier, la difficulté, la complexité du dossier, je crois que cet arrêt, ce n'est pas un arrêt de 20 pages non plus, c'est un arrêt extrêmement circonstancié. Oui, donc on a 300 pages, je pense, ou enfin 200, je sais pas combien, quasiment 300 pages de conclusion, enfin de l'arrêt fait quasiment 300 pages, reprend l'ensemble en fait de tout ce que la Cour a pu juger. La Cour a dû abandonner certaines parties, des vices de procédure, des aspects très techniques en fait qui favorisent pour finir l'accusé principal. On se rend compte aussi que les recours qui ont été faits, tous les recours qui ont été faits à partir de 1997 jusque le début du procès en 2016, tous ces recours en fait ont mis des bâtons dans les roues de la justice, ont ralenti la procédure judiciaire, ont rendu l'affaire au casier en Belgique comme un espèce de rebut de la justice que personne ne voulait s'en occuper, et que tout ça en fait bénéficie en fin de compte l'accusé. Puisqu'il va bénéficier du fait que le délai raisonnable de jugement a été largement dépassé. Et donc, si on constate en fait 5 ans avec sursis, c'est en grande partie sur cette brique-là, on va dire, qui sont la fondation qui fait qu'aujourd'hui Robert Spat n'est pas arrêté. Et c'est fou de se rendre compte que c'est lui-même et l'organisation qui l'ont provoqué. Oui, mais en sachant aussi que déjà, je lisais rien que l'instruction a duré déjà 18 ans, donc quelque part, le délai déraisonnable, il était déjà acquis avant même d'arriver Oui, devant le tribunal correctionnel. 2015, je pense qu'il est reconnu que le délai raisonnable a été dépassé. Oui. Et voilà, avec l'affaire financière qui s'écroule, avec le fait que le procureur, il va y avoir un changement de procureur entre l'affaire de 2017 et 2018, jusqu'à Liège. Et avant ça, il y a aussi eu d'autres procureurs. Tous ces éléments, en fait, font qu'il y a parfois une perte de transmission de la gravité du dossier. Et ça, c'est couplé au recours que l'organisation et Robert Spatz font pour ralentir les procédures juridiques et donc pour en finir en bénéficier. Et du coup, Ricardo, en fait, par rapport maintenant à l'instruction en France, vous en espérez quoi? Autre chose par rapport à ce que la justice belge a tranché déjà ou
C'est Ben, quoi? déjà, bon, c'est une enquête sur des faits de mœurs. Donc, on est face à des abus de type, tout type de forme d'abus, physique ou sexuel ou psychologique sur des enfants, dans une fourchette d'années bien précise. Il y a pas mal de personnes qui sont concernées par cette fourchette, par cette période, on va dire, qui n'ont pas été jugées en Belgique. Il y a des faits qui se sont passés à l'étranger. En Espagne, au Portugal, en Belgique. Et donc, on va essayer de voir comment on peut faire en sorte que l'ensemble des faits soit pris en compte. Et que, en fait, cette fois-ci, la grande différence, c'est quoi surtout? Ben, c'est qu'on participe à l'instruction. Tout simplement. Donc, le fait de participer à l'instruction, voilà, tu te dis, OK, voilà, je me déleste de ce qui m'est arrivé, je fais confiance aux institutions judiciaires pour qu'elles fassent leur travail. Et pour nous, en fait, la différence, c'est Robert Spatz s'en est tiré, et là, OKC s'en est tiré sur des technicités, sur des points que même le public a du mal à comprendre. Ils disent, mais comment c'est possible? Autant d'abus, autant d'histoires, et à la fin, 5 ans avec sursis. La justice est corrompue, les élites. C'est une lecture extrêmement simpliste de la réalité du droit et de la réalité judiciaire. Et en fait, il faut s'intéresser. Et j'espère que cette vidéo, elle va pouvoir participer à ce que les gens comprennent comment ça a été possible. Que dans tout ça, c'est un peu ironique que ce soit moi qui dise que c'est pas la faute de la justice. Mais c'est le cas. Il y a des explications rationnelles et objectives au fait que c'est arrivé à 5 ans avec sursis et avant ça avec 4 ans avec sursis. Et donc la France, c'est pallier à tous ces problèmes. C'est se dire, OK, on doit commencer de zéro, on doit faire partie d'une instruction, on doit amener tous ces faits, voilà, on doit se déplacer, on doit s'impliquer. Et donc, voilà, à l'heure actuelle, une vingtaine de personnes ont participé en tant que témoins, en tant que partie civile. Certains ne sont pas encore sûrs de est-ce qu'elles vont être partie civile jusqu'au bout. Il y a une conscience aussi plus aiguë du fait qu'une procédure juridique, c'est lourd à vivre et que pas tout le monde n'a l'espace mental et la force de se dire, OK, on va y aller coûte que coûte et on va faire en sorte qu'on ne reste pas de soi condamné, quoi. Ouais, mais justement, en fait, Ricardo, ça permet de rebondir sur une question qui me rue, parce que quelque part, toi, tu es évidemment au front depuis pas mal d'années déjà. Donc, ça doit pas être évident. Comment fais-tu finalement pour concilier vie privée, vie familiale, vie professionnelle, et puis ce procès qu'on voit bien, dans lequel tu mets énormément d'énergie, qui te tient à cœur, et on comprend aussi évidemment les raisons. Mais comment toi-même parviens-tu à porter tout ça sur tes épaules après autant de temps? Il y a une partie que je ne sais pas, voilà, pour être honnête, moi je ne sais pas expliquer. Et puis il y a aussi des parties qui sont évidentes. Toute cette affaire a eu un impact sur ma vie personnelle, ma vie familiale qui a été complètement explosée, mes relations qui ont été complètement explosées, mes relations avec mes parents qui ont été complètement explosées face à tout ça. En fait, c'est comme si le fait de se mettre à nu. C'est comme si tu regardais vraiment la réalité en face de tes yeux, et cette réalité elle est tellement dure que du coup, toi tu changes, mais tous les autres qui ne regardent pas cette réalité en face et d'une manière aussi proche, ils changent aussi. Ils sont aussi impactés par la procédure et par tout ce que ça implique. Mais ils ne changent pas autant que toi, ils ne changent pas aussi vite que toi, ils ne sont pas forcés en fait, de s'adapter. Et de se rendre compte du déni, en fait. Moi, je sens très très bien qu'à partir de 2017, quand je vois que la OKC est prêt à aller en appel contre tout ce qu'on a exposé, quand la OKC n'a aucun, mais aucun regret, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où la OKC se dit « Ouh là là, là là, là là, on n'était pas au courant de tout ça. » Il n'y a pas d'aveu, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a un déni total de la direction, des principaux lieutenants, de Robert Spatz, des personnes autour de Robert Spatz en Espagne, il y a un déni total. Et de la part des adeptes, il y a une espèce de silence, comme si c'était, je sais pas,
Voilà, c'est le... ils sont saisis par juste les éclaboussures en fait de ce qu'ils perçoivent via les réseaux sociaux, via les documentaires, via le travail médiatique, etc. Ils sont saisis par les éclaboussures de tout ça, mais peut-être qu'à des niveaux individuels et personnels par rapport à leurs propres enfants, il y a des démarches. Moi, je suis pas au courant du tout. Mais c'est pas du tout comme s'il y avait une prise de conscience. C'est pas comme s'il y avait tout d'un coup un rassemblement de gens qui se disent ça va pas. D'ailleurs, la preuve, la direction de la OKC Belgique, la direction de la OKC France est toujours la même que la direction des associations qui ont précédé et qui étaient à la direction pendant toutes les périodes infractionnelles. Donc, vous avez une association bouddhiste, il y a tout ça qui éclate, et la direction est toujours en place aujourd'hui, le secrétaire général est toujours le même. Sont les mêmes. Il y a juste Robert Spatz qui a organisé sa démission fictive pour paraître moins proche ou moins imbriqué dans les actes et les procédures de l'association, pour prétendre que l'association est autonome et souveraine. Des assemblées générales qui sont vides de décisions collectives, véritables. Donc, en fait, quand tu vois en fait qu'ils sont prêts à résister et qui sont en train de signer le déni. Mais alors, nous, on s'est dit, mais en fait, attends, nous, on était là en train de les protéger, oh, les pauvres, ils vont perdre leur appartement. D'abord, toutes les peurs qu'il y a eu au sein de la OKC, que soi-disant la procédure juridique allait provoquer, qu'ils allaient soi-disant se retrouver à la rue, tout ça, n'a jamais existé. C'est-à-dire, tout ça, c'est une projection de leur esprit, quoi. Point à la ligne. Il n'y a rien qui a existé. Il n'y a pas une seule. Il n'y a rien. La seule chose qui a existé, c'est que les clients, le grand public en Belgique, ailleurs, s'est rendu compte que bah, ils allaient à des restaurants végétariens de la OKC, qu'ils allaient à des magasins végétariens, enfin bio, etc. de la OKC, et ils se sont dit, bah, nous, on ne va plus faire nos courses là-bas. Ça, c'est le vrai poids en fait que Oui. l'OKC fait face. C'est le désinvestissement. C'est les gens qui se disent, ouh là là, nous. On ne veut plus rien avoir avec ça. Et ça a eu un impact financier. En fait, il y a bien quelque chose qui a eu un impact sur la OKC et sur Robert Spatz, c'est les finances. Oui, mais outre le fait, regardons que les victimes quand même ont droit aussi à réparation, parce que c'est quand même une vie quand même brisée, une vie sous emprise, une vie abusée physiquement, spirituellement, sexuellement. Donc ça a un impact justement sur la vie de chaque personne qui parvient finalement à sortir de l'organisation. Et cet impact, tu l'as bien exprimé, c'est un impact personnel, familial, une vie privée Oui, compliquée. tout cet Donc aspect-là sur les individus, sans aucun doute. Moi, je parlais sur l'organisation, oui. sur la direction, sur les lieutenants, sur tout ce qui fait tenir encore tout ça D'accord. aujourd'hui, ou l'apparence de tout ça aujourd'hui. Ouais. On n'en est pas encore là. Et donc, on se dit, bah, en fait, il faut aller en France, il faut participer à l'instruction, il faut aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci, il n'est absolument pas question d'avoir eu de la pitié pour notre éducatrice, qui était quand même la moins méchante d'entre toutes. On était encore, en fait, en 2016, il y avait encore des espèces comment dire, des connexions en fait entre les parties civiles et les accusés, ou les personnes qui étaient responsables au moment, ou qui étaient même responsables indirects, mais qui étaient sur papier. Et dans les faits, qui étaient nos responsables et qui auraient dû voir des dérives graves, qui auraient dû s'interposer. Et donc, il y a des liens émotionnels entre tout ça Bien encore. Et sûr. en fait, tout ça va se déchirer quand on se rend compte qu'en fait, ils ont zéro considération pour nous et pour quoi que ce soit, et que les parents sont même plutôt complètement absents de la procédure. C'est-à-dire que les audiences sont publiques. Le nombre de parents qui viennent véritablement à des audiences, et encore pas à toutes, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Donc vous avez des centaines de personnes qui sont concernées par tout ça, et sont toutes en train de regarder la chose, et probablement en train de casser du sucre sur mon dos, et sur toutes celles qui ont bougé, qui ont parlé, etc. Et ça, en fait, à un moment, tu te dis, mais en fait, on a plus rien à protéger, en fait. On a rien à protéger, même indirectement, on n'a pas à les sauver d'eux-mêmes, on a... Et même ça, en fait, ça a été un processus. Je pense que c'est vraiment après le premier procès qu'on se dit, mais en fait, on est encore dans une logique d'inversement de rôle. On est indirectement en train de les proposer, on est inconsciemment dans des mécaniques
ils nous mettent parfois dans une retenue, en fait. Certains souvenirs qui ne viennent pas la parole qui ne se libère pas sur certains souvenirs, comme si inconsciemment tu te disais, OK, on va raconter ce qu'on arrive à raconter. Et ce faisant, en fait, indirectement, tu finis par protéger des gens qui, eux, n'ont aucune intention de reconnaître quoi que ce soit. La vérité, de reconnaître quoi que ce soit. Il y a des gens qui se sont parjurés devant la cour, qui sont venus témoigner à décharge de Robert Spatz. Ils se sont parjurés, qui avaient les oreilles rouges pendant les audiences, tellement on était en train de les regarder, en train de se dire, mais cette personne, elle sait très, très bien qu'elle ment. Elle sait pertinemment qu'elle ment. Et pourtant, elle vient parler à décharge et elle vient disculper la responsabilité des différents individus. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, putain, on est encore plus bouddhiste que les bouddhistes, quoi. Oui, c'est ça. Si c'est pas la victime qui parle, à ce moment-là, évidemment, c'est peine perdue, quoi. Faut même pas. Voilà, même à un moment donné, tu prends ton livre de terre, tu le jettes, quoi. Tu te dis, c'est terminé, quoi. Tu vois. Et donc, l'affaire en France, je pense que ça va être. C'est le chapitre final. Voilà. C'est le chapitre final juridique qui aurait dû avoir lieu plus tôt, mais qui n'a pas eu lieu pour mille et une raisons humaines qu'on n'aurait pas pu changer. Moi, parfois, je me perds à penser, ah, mais si en 2010, on avait fait ci, si on avait fait ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais donc, Yerdo, en 2023, l'OKC existe toujours et il a toujours aussi ses adeptes encore qui sont sous sa coupe. Alors, il y a la OKC est fortement diminuée. Hein. On peut dire qu'à Château de Soleil, dans l'image qu'on voit à l'écran, il y a peut-être même pas, je ne sais même pas s'il y a 10 personnes qui vivent sur place. Le moine, le Kempo qui vivait sur place depuis 1900, depuis les années 2000, qui avait été placé là par la direction spirituelle de la OKC, ce Tibétain nommé Rajab Rinpoche, qui est sorti en mars 2010, s'est retiré, c'est mars, c'est le mois passé. Donc, OKC Bruxelles, il reste des personnes qui n'ont pas de solution d'hébergement alternative, qui ont très très peu de pension, puisqu'elles ont travaillé une majeure partie de leur vie sans être déclarées, en tant que faux indépendants. Et donc, il y a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas de logement ailleurs. Dans leur tête, ils ne sont plus des adeptes, mais ils sont quand même toujours là. Et les gens qu'ils croisent, ce sont des gens qu'ils ont croisés pendant 40 ans de leur vie. C'est pas compliqué hein, à vivre. C'est pas du tout évident à se libérer de tout ça. Moi, je ne les condamne pas. Moi, je les plains. Franchement, ça me fait vraiment, de la pitié parce que j'aurais aimé que. J'aurais rêvé que ces gens se disent « on va faire une assemblée générale et on va prendre nos vies en main. Et on va changer le nom de l'association, on va virer le conseil d'administration qui a été responsable de cette mauvaise gestion. » Mais tout ça ne s'est jamais réalisé. Et donc voilà, ça c'est mon idéalisme, c'est mes rêves, mais en fait, on ne peut pas arriver à la place des autres. Et donc, ils sont ce qu'ils sont, ils savent, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et surtout tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils ont leurs propres limitations et leurs propres... capacité de se dire ben, je vais briser la barrière invisible et je vais aller à l'encontre de ce qui m'a été inculqué et je vais essayer de changer les choses, je vais essayer de faire en sorte que tous les anciens qui sont là, qui ont donné toute leur vie à tout ça, ben, peut-être qu'ils arriveront à s'organiser entre eux et à assurer leur futur. Mais tout ça de nouveau, c'est des idées. Et donc en fait, s'il reste un endroit dans OKC qui est vraiment directement impliqué autour de Robert Spatz, c'est OKC en Espagne. Et là, on parle de deux propriétés qui sont à 20 km l'une de l'autre, dans une espèce de propriété privée, entourée d'autres propriétés privées, donc c'est un endroit super surveillé, où des adeptes de Robert Spatz sont soi-disant dans des retraites, dont certains depuis des années. Il pense faire partie ou être en train de suivre une retraite de cette chaîne qui fait partie donc de ce fameux directeur spirituel Rabjam qui a quitté la OKC en mars 2010. Ils ont probablement aucune idée qu'il a quitté la OKC. Enfin, à ce stade-ci, c'est possible que en tout cas Spax et ses lieutenants les plus proches en Espagne soient au courant, c'est même plutôt sûr.
Mais les personnes qui sont dans une cellule en retraite sont probablement pas au courant de tous ces derniers développements. Et puis, il reste la maison privée de Robert Spatz, où selon nos informations, un cas au moins d'abus sexuel serait en cours. Et donc, Ocasse est mourante. Ocasse continue à envoyer de l'argent qui permet à Ocasse Espagne de survivre. Ocasse Belgique, en fait, c'est le cœur. C'est elle qui a encore un peu des fonds et qui paye notamment les frais de Château de Soleil, mais aussi les frais d'Ocasse Espagne. Et voilà, tout ce qui reste à la OKC, c'est ses fonds, c'est des biens immobiliers, c'est ce qui lui permet d'être encore debout aujourd'hui en tant que façade. Le site web de la OKC a beaucoup changé, même si le directeur spirituel de la OKC, alors ça c'est quand même intéressant, je pensais quand même le montrer parce que ouais. ça montre quand même... ça montre quand même que même avec on va aller montrer ça, je ne sais pas ce qui se passe avec leur site web, ces temps-ci visiblement le secrétaire général a du mal à gérer son site. En fait le site de la OKC a énormément changé. Si vous allez sur les archives allez, le Wayback Machine et autres, tous les liens sont ici sur notre site, mais vous verrez qu'à l'époque, le site de la OKC, il ressemble à l'image que vous avez sur la gauche. Il liste tous les grands maîtres qui sont passés par OKC, etc. Aujourd'hui, en mars 2023, le monsieur tout à fait à droite, avec la flèche rouge, ça c'est le directeur spirituel de la OKC qui a quitté la OKC en mars 2023, et il est toujours, en tout cas là, pas vous dire le site aujourd'hui le 29 avril, mais en tout cas en mars 2023 il était toujours sur le site de la OKC, et les trois personnes qui sont sur cette photo sont toutes décédées. Et donc OKC continue d'utiliser justement l'image de ces maîtres tibétains qui lui ont donné sa légitimité d'origine, qui ont fait que tous ses adeptes se sont dit que c'était un bon centre, etc. Et la page de présentation de la OKC est toujours pareille. Elle cite toujours le terme de Lama Kunzang, conformément au vœu de ce grand maître. Lama Kunzang, un de ses disciples d'Occident, on est en train de parler de Robert Spatz, accusé de pédocriminalité, de différents crimes, il est toujours sur le site de la OKC en mars 2023. Donc voilà, le secrétaire général est toujours dans le même déni. Et la OKC se meurt, ça c'est très sûr. Là, il n'y a plus aucun enfant dans aucun des centres de la OKC. Il y a des gens de ma génération, quelques-uns, qui eux ne sont jamais sortis. Et très peu, sur les doigts d'une main, mais ces gens, c'est comme si moi je n'étais jamais sorti des monastères et que ensuite je m'étais mis au service direct de Robert Spatz. Ben, ces gens, ils connaissent, ils n'ont pas fait le chemin que ceux de ma génération a fait, que la génération d'après moi a fait, de se libérer de ce carcan, de sortir et de prendre sa liberté, de prendre sa responsabilité en main. Tous ces gens sont dans une vie, dans une forme d'assistanat et sont infantilisés, sont toujours dans une forme de coercion induite par Robert Spatz, et qui fait que contempler la possibilité de tout d'un coup sortir, de rejoindre le monde extérieur, c'est une source d'anxiété, de souffrance et de difficultés qui sont similaires à celles que nous, en fait, on a vécues tous, en fait, en sortant de la OKC au début des années 2000, quoi. Oui, c'est ça, il faut évidemment refaire sa vie. Maintenant, j'espère aussi évidemment qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de décembre 2020 et le rejet par la cour de cassation, puisqu'il fallait une décision de justice apparemment pour que le Dalai Lama puisse peut-être réagir de manière plus ferme, on peut espérer effectivement que son autorité, quelque part, entre en jeu et qu'il s'exprime cette fois-ci de manière voilà. Claire aussi. C'est mon but du 3 mai. C'est mon but du 3 mai,
3 mai 2023, donc là, dans une toute petite semaine, j'ai rendez-vous avec la représentante du Dalai Lama pour l'Europe et le Maghreb, et ici à Bruxelles. Et donc, je vais pouvoir lui montrer, voilà, cette présentation que j'ai préparée et qui raconte, en fait, le parcours de la OKC, comment elle s'est légitimée, les procédures en justice, le documentaire, voilà, tout le travail qui a été fait, mais aussi l'importance, on va dire, de la visite du Dalai Lama dans les années 90, les attestations. Donc voilà, mon but, c'est vraiment d'aller sur place et de leur montrer cette attestation, de montrer, d'expliquer comment elle a été utilisée. Et de voir si finalement, maintenant qu'il a été accusé, vu que le secrétaire de l'époque disait ben, il fallait prouver les accusations, ben, les accusations sont prouvées. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que d'un point de vue religieux, il y ait une prise de position officielle, non seulement pour nous à utiliser en tribunal, mais dans l'affaire, dans le procès qui vient, mais aussi d'un point de vue communicationnel et d'afficher ça sur notre site et de dire voilà. Travail accompli, merci de finalement prendre position, mieux vaut tard que jamais, mais après les critiques et mes opinions sur ces questions, elles restent ce qu'elles sont, même si voilà, je suis dans des démarches où c'est très compliqué en fait d'avoir les opinions que j'ai, et encore ici, voilà, je suis gentil, très compliqué d'avoir tout ce ressenti, et en même temps de garder une communication dite équilibrée, qui ne fait pas d'amalgame avec tout, alors que tous les éléments sont quand même là, qui démontrent quand même une corrélation entre les choses qui portent vraiment problème. Donc voilà, moi mon but, c'est de réussir à faire qu'ils prennent conscience, en fait. Et Ouais. que peut-être à l'avenir, une institution réfléchit vraiment à deux fois avant de délivrer des attestations de légitimité qui sont utilisées contre les victimes dans un tribunal, et où c'est les victimes qui viennent annoncer à Mathieu Ricard, attention, c'est votre nom à vous qui sont utilisés dans le procès. Ce n'est pas nous qui vous utilisons ou quoi que ce soit, c'est les accusés qui vous utilisent, vous et tous les lamas du bouddhisme tibétain, pour se défendre d'abus sexuels. Et donc, à un moment donné, c'est quand même à vous aussi de vous dire, ben non, attention, droit à l'image, vous appelez ça comme vous voulez, mais à un moment donné, vous prenez votre responsabilité en main et vous dites, ben non, vous n'utilisez pas mon nom et mon image et pour vous défendre sur la forme ou sur le fond. Donc voilà, moi, je travaille, pour moi, ça, c'est de la politique, en fait. Je fais de la politique histoire d'obtenir un document qui me permette de faire encore de la politique. Alors que tout ça devrait être proactif, tout ça devrait être en fait, ah ben ouais, tiens, effectivement, il y a une condamnation maintenant, ça fait déjà 3 ans. Peut-être qu'il est temps qu'on prenne position. Ricardo, c'est une vraie vocation en fait que tu t'es trouvé malgré toi. Je t'avoue que très honnêtement, je ne sais pas vraiment, moi à la base, je suis informaticien. Là, ça fait 7 ans que je suis dans toutes ces démarches. Ça m'a évidemment énormément changé. J'ai acquis une expertise que je ne pensais jamais avoir besoin. Et donc, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais faire demain, effectivement. Je ne sais pas. En tout cas, je vais terminer le travail. Voilà. Mais écoute, je te remercie en fait, Ricardo. Je sais que c'est un petit peu long, mais en même temps, c'est une affaire extrêmement complexe. Et puis, je voulais aussi te donner la parole sur différentes facettes du dossier, en commençant justement par ta propre expérience qui permet justement de comprendre aussi ton parcours et ton combat, ton engagement personnel. Donc, je te remercie. Je ne sais pas si éventuellement tu souhaites encore donner un dernier mot avant qu'on se quitte. Moi, je vais créer une association d'aide aux victimes pour la France. De plus en plus, je réfléchis au fait qu'au début, je voulais surtout récolter des fonds pour permettre en fait un soutien psychologique et voilà, bien-être médical, thérapeutique pour les personnes impliquées.
Au plus le temps passe, au plus je me dis que j'ai besoin d'un soutien juridique aussi, de pouvoir nous donner les moyens de nous permettre d'avoir une défense juridique à la hauteur de la gravité de cette affaire et de nos besoins, et surtout à la hauteur de l'armée d'avocats en principe qu'on va avoir en face de nous. Et donc cette association, voilà, va voir le jour prochainement. Elle aura son site web, voilà, elle va exister sous le nom de OKC Info. Et j'espère que voilà, que le public pourra potentiellement donner un petit coup de pouce, faire en sorte de partager, ne fût-ce que de partager notre campagne, de lever de fonds et de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on pourrait se donner les moyens de nous doter d'une défense voilà, aussi forte que nécessaire. Donc voilà, ça c'est mon petit espoir pour ce qui vient. Et puis voilà, en espérant que prochainement on puisse finalement voilà, que le procès commence, que l'instruction arrive à son terme et que la justice ne perde pas les 18 ans qu'elle a perdus en Belgique pour mener cette affaire à son terme, quoi. D'accord. Écoute, Ricardo, un tout grand merci. En tout cas, j'espère que le message est passé. Et puis, je te remercie évidemment pour ta liberté de parole et puis ton témoignage et la clarté de ton propos. Merci. Sans, je dirais, une clarté de propos qui est encadrée par un discours clair, puisqu'effectivement, on n'aime pas les victimes trop exubérantes. Donc, tu as, je trouve, un équilibre qui se voit et qui s'entend. Je te remercie. Merci à toi pour cette opportunité, en tout cas. Merci à toi.